Bonjour à tous et bienvenue dans ce live dédié à l'apprentissage des hiéroglyphes en collaboration avec l'Université de Liège. Je remercie d'ailleurs l'Université de Liège et Stéphane Polis, professeur à l'Université justement de Liège, de me permettre de partager avec vous l'apprentissage de ce MOOC. La dernière fois, nous étions arrivés au troisième module, 3.5. Nous allons donc pouvoir le débuter. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, dans le chat, et j'y répondrai si possible, sinon je les ferai remonter auprès de Stéphane Polis, et je vous transmettrai alors la réponse qui m'a été donnée suite à cette question. Et on entre directement dans le vif du sujet maintenant. C'est parti! Nous l'avons vu dans la dernière leçon, les hiéroglyphes, même s'ils fonctionnent comme des signes d'écriture, sont sur un plan formel des images en miniature. Cela peut paraître logique dans la mesure où ils dérivent du monde des images qui constitue l'art égyptien. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que tout au long de leur histoire, ils continuent de se conformer aux conventions qui définissent cet univers visuel particulier de l'art égyptien. Ces conventions sont habituellement désignées, à la suite de l'égyptologue allemande Emma Brunner-Traut, sous l'appellation d'aspective, un terme qui évoque avant tout un affranchissement, une distance par rapport à la perception visuelle et à ce que la tradition occidentale a pris l'habitude d'appeler la perspective, soit ce qui passe par le regard. La représentation des choses et des êtres n'est donc pas inféodée ou limitée à ce que l'on voit, mais vise plutôt à figurer les choses et les êtres tels qu'on sait qu'ils sont. Partant de ce principe, il est licite dans l'art égyptien de multiplier les points de vue sur un même objet dans une même représentation, de modifier les proportions relatives des éléments d'une représentation en fonction de leur importance, ou de figurer presque systématiquement les choses et les êtres de profil afin de signifier clairement leur interaction. Ces trois principes au fondement de l'art égyptien s'appliquent également à ce que l'on peut appeler la calligraphie hiéroglyphique. Comme dans l'art égyptien, les signes hiéroglyphiques combinent presque systématiquement différents points de vue sur la réalité qu'ils évoquent en tant qu'image, combinant par exemple des éléments vus de face avec d'autres qui sont représentés de profil. La taille de chaque signe au sein de l'écriture hiéroglyphique ne dépend pas de la taille réelle de l'objet ou de l'être représenté, mais est fonction de la lisibilité du signe ou de son groupement harmonieux avec d'autres sur un plan visuel, afin de constituer ce que l'on appelle en égyptologie des cadras. C'est ce que Pascal Vernus propose de désigner comme le calibrage des hiéroglyphes, un principe dont Stéphane vous a déjà parlé, qui permet qu'un insecte, comme une abeille ou un scarabée, puisse avoir dans l'écriture hiéroglyphique la même taille qu'un éléphant, pour reprendre une comparaison chère au célèbre égyptologue français. Enfin, la plasticité directionnelle des hiéroglyphes en contexte monumental, c'est-à-dire le fait qu'ils s'écrivent de droite à gauche ou de gauche à droite, dérive directement de son association aux images qu'ils déterminent et qui sont souvent confrontées entre elles, ainsi qu'à une propension certaine de l'art égyptien monumental pour la symétrie. Au-delà de leur parenté formelle, l'écriture hiéroglyphique et les images de l'art égyptien entretiennent donc un véritable lien de symbiose, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent ou littéralement vivent ensemble. Mais cette profonde intégration ne signifie pas pour autant qu'il y ait une confusion entre les deux. Grâce à des conventions typographiques, notamment de calibrage et d'orientation spatiale, la séparation entre écriture et iconographie est dans la pratique assez évidente pour les anciens Égyptiens comme pour les égyptologues modernes. La frontière qui les sépare pouvait cependant être franchie assez facilement, et ce de multiples manières, conduisant à envisager l'image, ou pour être plus précis, à lire l'image comme un signe d'écriture, même s'il convient de ne surtout pas réduire l'art égyptien à une écriture de type hiéroglyphique. Comme tout art, il est bien plus que cela et vise avant tout à toucher visuellement et sensoriellement son spectateur. Mais plus que n'importe quel autre art, semble-t-il, il peut être utilisé sur un mode graphique, à la manière d'une écriture, jouant de la symbiose consubstantielle qui unit les images à proprement parler et l'écriture hiéroglyphique dans la pensée des anciens Égyptiens. Un exemple, sans doute extrême, consiste à convertir un propos linguistique en une série d'images qui peuvent être lues comme une séquence de hiéroglyphes. Les égyptologues ont nommé cette pratique cryptographie monumentale.
Le célèbre Ramsès II semble avoir été particulièrement friand de ce genre de jeu graphique, puisqu'à plusieurs reprises, il a fait convertir sa titulature en une sorte de longue scène dans laquelle diverses figures, pour la plupart des figures divines, se suivent en procession, comme dans la linéarité de l'écrit, et représentent en réalité les titres du monarque. Mais le cas est assez exceptionnel, ou extrême, disais-je, et c'est probablement pourquoi il est habituellement accompagné en symétrique d'une inscription normale, non cryptée, qui permet de comprendre et de lire à proprement parler, et sans trop d'hésitation, la procession de ces figures comme la titulature du souverain. Plus fréquemment, on assiste à ce que Pascal Vernus a joliment baptisé du nom de « ronde sémiotique », soit une sorte de cycle de métamorphose qui permet d'aller et venir entre images à proprement parler et signes hiéroglyphiques. Ainsi, une image, par la calibration typographique, peut se muer en un signe d'écriture. À son tour, ce signe peut être traité comme une image à part entière, qui retrouve donc son autonomie au sein d'une inscription, ou indépendamment de celle-ci, par exemple sous la forme d'une amulette, ou même lorsqu'elle est réintégrée dans un espace iconographique véritable. On peut songer aux innombrables signes ankh dotés de bras ou animés. Enfin, cette image devenue un hiéroglyphe, lui-même transformé en image autonome, peut parfois aller jusqu'à fonctionner à nouveau comme un signe d'écriture. Un exemple concret permettra sans doute de mieux comprendre ou de visualiser ce cycle des métamorphoses de l'image au signe en aller et retour. Restons dans les évocations de la titulature royale, avec cette fois celle du pharaon Sésostris Ier, tel qu'il est mentionné à l'angle d'une architrave du temple que ce roi avait fait édifier pour le dieu Amon-Ré sur le site de Karnak, en Haute-Égypte, au nord de l'actuel Louxor. Le classificateur du nom du dieu Amon-Ré est ici une image à part entière, sur la droite, dotée de sa propre autonomie figurative, ce qui lui permet de se tenir debout, et de relayer iconographiquement la proposition qui suit son nom dans l'inscription et précise qu'il donne la vie au souverain. Le hiéroglyphe qui signifie la vie est lui aussi traité comme une image ou un objet placé dans la main arrière du dieu afin de montrer que ce dernier possède la qualité que ce signe évoque, suivant l'expression égyptienne « dans la main » qui exprime la possession. Le même signe réapparaît dans l'autre main de la divinité, tendu non pas vers une figure de son interlocuteur, le roi, mais vers un groupe de signes autour du faucon perché sur le hiéroglyphe du collier d'or, qui symbolise le souverain sous la forme du troisième titre de sa titulature canonique, dit le nom d'Horus d'or, en l'occurrence l'Horus d'or vivant de naissance, c'est-à-dire Sésostris Ier. En termes de composition, le classificateur du dieu, converti en une véritable image, et tous les hiéroglyphes qui s'y rapportent, sont placés à droite du panneau, du côté du sanctuaire du temple où Amon-Ré est censé résider, et en confrontation vis-à-vis des signes qui évoquent le monarque, avec une symétrie entre la figure du dieu et le cartouche royal, afin de signifier leur interaction. Cette perméabilité entre l'image et le signe d'écriture dans l'art égyptien peut même intervenir en statuaire, c'est-à-dire dans des représentations en trois dimensions, image par excellence. Ramsès II, qui semble décidément avoir particulièrement apprécié ce genre de jeu graphique savant, les a multipliés à l'envi. Sur l'une de ces statues colossales retrouvées en fragments sur le site de Bubastis, l'actuel Tel Basta, le roi portait au-dessus de sa coiffure un disque solaire historié. Devant le symbole du dieu Ré apparaissent encore assez nettement deux figures assises représentant un enfant portant le doigt à la bouche et couronné du disque solaire, à côté du dieu Amon, au-dessus de deux gigantesques hiéroglyphes, le canal Mer et le filet d'eau, et entouré de trois signes Heka. L'inscription sur le côté gauche de l'objet fournit la clé de lecture de cette interpellante composition, en donnant le nom attribué au colosse, c'est-à-dire Ramsès aimé d'Amon, le Ré des dirigeants. Comme les exemples que nous venons de voir le montrent, l'art égyptien n'a cessé d'exploiter la capacité figurative de l'écrit et la capacité scripturale de l'image, pour reprendre les concepts suggérés par l'égyptologue allemand Jan Assmann, dans la mesure où dans la perception égyptienne, signes et images participaient de la même nature, le premier dérivant historiquement comme dans la pratique de la seconde, ou en constituant, semble-t-il, une forme particulière. Car tous deux, images comme signes d'écriture, permettaient de dire, mais aussi de représenter et se représenter le monde. Dans un tel contexte, l'artiste, à tout le moins l'artiste qui concevait l'œuvre, se devait manifestement d'être aussi un maître et hiéroglyphe, un artiste savant et lettré.
Eh bien, c'est intéressant, une bonne suite du coup pour de ce qu'on avait appris déjà donc au précédent live. Super. Alors, on a déjà un petit QCM qui suit. Donc ici, ce qu'on a appris, c'est plutôt la représentation d'hiéroglyphes par rapport aux figures dans l'espace et les proportions qu'on leur donne en fonction de leur importance. Alors, les conventions de composition formelle des images égyptiennes et des hiéroglyphes, plusieurs solutions possibles. Donc à nouveau, comme pour les autres QCM que nous avions fait par la dans les autres lives, n'hésitez pas à prendre le temps de répondre de votre côté, quitte à mettre pause, et puis alors on voit ce qui est correct. Alors, donc, les conventions de composition formelle des images égyptiennes et des hiéroglyphes suivent les règles et les perspectives et imitent ce que l'on voit, permettent de multiplier les points de vue sur un même objet, imposent d'organiser toute composition en cadrans, autorisent à modifier les proportions relatives des éléments figurés. Alors, je m'excuse pour le bruit éventuellement que vous pourriez entendre. Voilà, il y a une grande route à côté, et donc il y a parfois des camions, des tracteurs qui passent. Et ça, je ne peux pas éviter ce bruit. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre vos questions en commentaire si vous en avez, comme ça je les ferai remonter. Donc. Pour moi, il y avait ça. En fait, c'est le fait qu'on les mette tous les deux dans la question qui me fait hésiter. Parce que les images, les hiéroglyphes, ils sont organisés en cadrans. Et les images égyptiennes, ben, elles sont organisées de manière à ce que on puisse représenter les éléments qui sont enfin, qui sont représentés justement selon les proportions à donner, selon leur pouvoir, leur importance, etc. Alors ben oui. En fait, je trouve que la question est pas très claire en fait. Les conventions de composition formelle des images égyptiennes et des hiéroglyphes. Là, il y a un avion qui passe. J'espère que vous ne l'entendez pas, parce qu'il fait quand même vraiment beaucoup de bruit. Les conventions de composition formelle des images égyptiennes et des hiéroglyphes. Bon, ben, ça ne respecte pas forcément les perspectives, vu que si on prend par exemple les hiéroglyphes. Bah, un éléphant peut avoir la même taille qu'un scarabée. Ça permet par contre de multiplier les points de vue sur un même objet, puisqu'un objet peut avoir aussi une signification des hiéroglyphes, comme on avait avec le bâton. Impose d'organiser toute composition en cadrans. Bah, moi je dirais que oui, pour les hiéroglyphes. Pour ce qui est des images, en fait, ça, tout s'imbrique en fait l'un dans l'autre. Est-ce qu'on les compte dans le cadran ou pas? Je vais mettre oui. On va voir. Autorise à modifier les proportions relatives des éléments figurés. Ben oui, parce que si on représente un éléphant de la même taille qu'un scarabée dans les hiéroglyphes, on modifie les proportions. Et si on représente un dieu ou un pharaon 10 fois plus grand que ses ennemis, par exemple, ben, on modifie aussi les compositions, les représentations. Donc pour moi, ce sont ces trois-là qu'il faudrait choisir. Dites-moi si je me trompe, et je verrai alors pour changer, ou au contraire, dites-moi si vous êtes d'accord. Les conventions de composition formelle communes aux images égyptiennes et aux hiéroglyphes permettent que ceux-ci se lisent toujours dans le même sens, de droite à gauche, se lisent indifféremment dans tous les sens, se lisent de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction du contexte monumental, s'orientent selon les personnages figurés auxquels ils se rapportent. Alors, moi je dirais les deux dernières en fait. Parce que, bon, en fait, généralement ça se lit de gauche à droite, mais ça peut aussi se lire de droite à gauche, même si c'est plus rare, en fonction du sens dans lequel enfin, les hiéroglyphes sont orientés. Si c'est par exemple un aigle qui pointe par là, ben, il va.
voir comment vous allez me voir aussi face caméra. Mais en tout cas, pour moi, quand je regarde mon doigt, ça va de droite à gauche. Si je regarde par là, ça va de gauche à droite. Donc, je mettrai pas la première. Alors, est-ce que ça se dit dans tous les sens? Et l'autre, c'est... Moi, je dirais que c'est en fonction du contexte, en fait. Parce que tu vas pas lire... C'est comme si on compare à une BD, par exemple. On va pas lire dans tous les sens. Après, je sais pas si la comparaison est forcément bonne, mais en tout cas... Moi, je dirais qu'il y a quand même le contexte à prendre pour savoir dans quel sens lire. Et s'orientent selon les personnages figurés auxquels ils se rapportent, je pense aussi. Moi, je mettrais ces deux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, selon le principe joliment décrit par Pascal Vernus, ça, je me souviens de cette locution. Comme la ronde sémiotique qui unit image et hiéroglyphe dans la pratique décorative des anciens Égyptiens. Alors là, une seule réponse. Les signes hiéroglyphiques peuvent redevenir des images à part entière. Les signes hiéroglyphiques, pardon, se donnent volontiers la main pour former une farandole. Bon, pourquoi pas? Soyons fous. Les images, une fois calibrées typographiquement. Les images, une fois calibrées typographiquement en signes d'écriture, ne peuvent retrouver leur statut d'image. Il existe une barrière infranchissable entre signes hiéroglyphiques et images. Désolé pour les petites hésitations, je suis un peu fatigué. Ben en fait, ouais, c'est la première pour moi. En fait, comme il explique, c'est une ronde sémiotique, donc en fait c'est assez clair, même quand on le dit d'entrée de jeu, c'est une ronde, donc c'est un cycle, quoi, une ronde. Sémiotique, ben, en fonction du sens. Et donc, ben, une image, peut-être aussi un hiéroglyphe, je vais mettre un peu plus droit dans la caméra. Et donc voilà, et l'un peut devenir l'autre, et comme ça, ainsi de suite. Alors, on sait que les Égyptiens pouvaient bien s'amuser, mais je ne pense pas qu'ils faisaient la farandole dans leurs écritures. La troisième, je ne pense pas non plus. Non, ben non, ça n'aurait pas de sens vu que c'est complètement opposé à ce que je viens de dire. Et alors, la quatrième aussi est opposée à ce que je viens de dire. Donc pour moi, c'est la bonne réponse. Enfin, pour moi, la réponse est celle que j'ai donnée. La capacité figurative de l'écrit au sein de l'écriture hiéroglyphique impose de colorer tous les hiéroglyphes en fonction de l'apparence réelle de ce qu'ils représentent. Permet aux hiéroglyphes de se comporter en même temps comme un signe d'écriture et comme une image à part entière, ne permet pas de transgresser la frontière entre le texte et l'image, limite l'usage des hiéroglyphes aux inscriptions et à la décoration des amulettes. Alors j'ai l'impression qu'on reprend un peu la même chose que dans la question précédente. Bah de nouveau, hein, en fait, c'est quasiment la même réponse, hein. Les signes hiéroglyphiques peuvent redevenir des images à part entière. Et là, en fait, on dit plus ou moins la même chose. Permet aux hiéroglyphes de se comporter en même temps comme un signe d'écriture et comme une image à part entière. Pour moi, voilà. Alors peut-être que j'ai mal capté, mais pour moi, c'est ça. Boire un petit coup d'eau. Fait, c'est du thé. La capacité scripturale de l'image dans l'art égyptien transforme systématiquement les œuvres d'art égyptiennes en compositions hiéroglyphiques, ne permet pas de transgresser la frontière entre le texte et l'image, autorise la composition de scènes qui se lisent comme une séquence hiéroglyphique, conduit à représenter toutes les choses et les êtres de profil. Alors, la capacité scripturale. En fait, je dirais que la 2 n'a pas de sens. Tout de profil, ben oui, tout est de profil, il me semble. Maintenant, je pense pas que ce soit une réponse spécialement. Transforme systématiquement les œuvres d'art égyptiennes en une composition hiéroglyphique. Pour moi, pas nécessairement. Ce serait un peu trop généraliste, je trouve. Donc je dirais que ça autorise la composition de scènes qui se lisent comme une séquence hiéroglyphique.
Voilà, on va voir, on enregistre. Voilà. Et on va voir la réponse. Alors, la capacité scripturale de l'image dans l'art égyptien autorise la composition de scènes qui se lisent comme une séquence hiéroglyphique. La capacité figurative de l'écrit au sein de l'écriture hiéroglyphique permet aux hiéroglyphes de se comporter en même temps comme un signe d'écriture et comme une image à part entière. Selon le principe joliment décrit par Pascal Vernus, pardon, comme la ronde sémiotique qui unit image et hiéroglyphe, dans la pratique décorative des anciens égyptiens, les signes hiéroglyphiques peuvent redevenir des images à part entière. Donc, comme je disais, en fait, la 3 et la 4, j'ai l'impression que c'est la même question, tournée un peu différemment avec des réponses un peu différentes. Mais moi, je m'y suis retrouvé. Alors, ah oui, on va mettre les réponses. Comme ça, on saura là où j'ai fait une erreur. Voilà. Alors, ici, pour la 2. Ah, la 2 était juste. C'est ça, hein? Ouais, la 2 était juste. Alors, les conventions de composition formelle communes aux images égyptiennes et aux hiéroglyphes permettent que ceux-ci se lisent de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction du contexte monumental. Donc ça, moi, ça me paraissait juste logique, en fait. S'orientent selon les personnages figurés auxquels ils se rapportent. Et de nouveau, ben, ça me paraît logique parce qu'en fait, pour moi, la 3 et la 4 ne peuvent pas se dissocier. Si ça se lit de gauche à droite ou de droite à gauche en fonction du contexte monumental, ben, ça s'oriente aussi en fonction des personnages, en fait. Comme on l'avait vu, par exemple, pour savoir dans quel sens lire le truc. Enfin, l'écrit, pardon. Alors là, voilà, justement, comme je disais, moi j'avais du mal à comprendre ici la question, donc j'avais vraiment du mal à répondre. Donc, les conventions de composition formelle des images égyptiennes et des hiéroglyphes. Alors ici, en fait, le fait qu'on mette images égyptiennes et hiéroglyphes, en fait, ça me perturbe un peu. Permettre de multiplier les points de vue sur un même objet autorise à modifier les proportions relatives des éléments figurés. Moi, j'avais mis la 3 en plus qui était fausse, parce qu'en fait, je pensais aux hiéroglyphes qui étaient organisés en cadra. Et voilà, mais donc ouais, là j'ai fait une petite erreur. Nous allons pouvoir passer à la suivante, qui est donc dédiée à l'organisation spatiale des hiéroglyphes. Ça, je pense être encore à nouveau très intéressant de savoir comment ils étaient organisés spatialement, donc dans l'espace dont disposaient les scribes. Donc voilà, ok. De nouveau, ben, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez. Alors, j'étais un peu dans le rush ce matin pour pouvoir commencer le live. Petite communication, on se retrouve donc chaque samedi de 9h à 12h pour apprendre à lire les hiéroglyphes avec le MOOC de l'Université de Liège. Donc n'hésitez pas à le noter à l'agenda, mettre votre petit rappel, comme ça on se retrouve alors chaque samedi. C'est plus chouette. Et puis alors, il y a évidemment la rediff après pour ceux qui ne seraient pas venus. Voir le live en direct. Voilà, comme ça, tout le monde peut quand même en profiter. Et donc là, c'est parti. On va regarder la vidéo suivante. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur la question de l'organisation spatiale des hiéroglyphes, c'est-à-dire sur la façon dont les textes sont organisés sur les parois des monuments et les signes organisés les uns par rapport aux autres pour former les mots à l'intérieur du texte. Il s'agit donc de préciser et d'illustrer plus systématiquement certains grands concepts esquissés par Stéphane Polis dans l'introduction de cette section du MOOC. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'en Égypte ancienne, les hiéroglyphes servent avant tout d'écriture monumentale, c'est-à-dire qu'on les retrouve en principe uniquement sur des monuments. Des temples, des chapelles, des tombes et probablement des palais, mais on n'en a pas retrouvé grand-chose. Puis aussi des stèles, des statues et toutes sortes d'éléments d'architecture et de mobilier, comme, entre autres, des sarcophages et des cercueils. Aussi,
La relation que les hiéroglyphes entretiennent avec leur support architectural a très tôt influencé la manière dont les textes étaient mis en forme et présentés au lecteur dans ce cadre monumental. Ce qui, à un autre niveau, a eu un impact immédiat sur l'organisation des signes entre eux. En ce qui concerne la disposition des textes, soit leur mise en page, ou leur mise en paroi, devrait-on dire, il est très important de comprendre que puisqu'ils sont composés d'images, principalement figuratives, les textes hiéroglyphiques peuvent être orientés de plusieurs façons. Vous savez déjà qu'on peut les lire aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite, en ligne comme en colonne. Cela tient au fait que, à la différence des lettres de notre alphabet, les images sont orientables. Une chouette reste en effet parfaitement identifiable en tant que telle, que sa tête se trouve à droite ou à gauche de son corps. On parle toutefois d'orientation préférentielle quand les signes se lisent de droite à gauche. C'est l'orientation par défaut des textes égyptiens, ce qui correspond d'ailleurs à l'orientation unique de l'écriture cursive, le hiératique. En règle générale, l'orientation des textes est déterminée par les scènes figuratives qu'ils accompagnent. Le texte est orienté dans la même direction que les personnages ou les actions auxquelles il se réfère. Cela permet au lecteur de rapidement identifier le texte en rapport à un des éléments de la scène et de comprendre en détail la signification de celle-ci si l'iconographie s'avère complexe, comme c'est parfois le cas. Jouant de ces règles d'orientation, certains scribes ont parfois imaginé des solutions qui visaient à rendre la lisibilité d'un texte plus hermétique ou disons moins évidente, éventuellement afin d'en réserver le sens aux lettrés les plus avertis ou de simplement protéger le texte du regard de quelques lecteurs malveillants, notamment dans le cas de formules magiques dont l'intégrité devait à tout prix être préservée afin qu'elle demeure effective. Ainsi, à côté de l'emploi de signes ou de valeurs de signes particulièrement alambiquées en vue de composer des textes que l'on qualifie généralement de cryptographiques ou d'énigmatiques, l'écriture dite rétrograde se lit dans le sens opposé à l'orientation des signes. Dans cet hymne solaire, alors que les signes sont orientés de gauche à droite, le texte se lit de droite à gauche. Dans le cas des textes funéraires du Nouvel Empire, où l'usage de l'écriture rétrograde est très fréquent, le fait que les signes regardent donc vers la fin du texte évoquerait en outre la marche de la barque solaire, soit le cheminement du dieu vers sa renaissance. De façon générale, ce sens de lecture particulier est devenu au cours du temps l'indice de ce que l'on désigne parfois comme la science sacerdotale, à laquelle un très petit nombre de prêtres étaient initiés. En contexte architectural, on trouve des textes en grande abondance sur les parois des monuments. Les égyptologues considèrent que les scènes qu'ils décrivent renvoient à des activités qui se déroulaient juste devant eux, dans le cadre, par exemple, d'un culte ou lors de fêtes. En les inscrivant sur les parois, les Égyptiens garantissaient la pérennité de ces actions et conservaient d'une certaine manière le mode d'emploi du monument. Il y avait donc intérêt à ce que les textes soient abondants et complets. On en retrouve donc partout et en tous les endroits. La plasticité des textes sur leur support, parois, colonnes, encadrements de portes, plafonds, dénote également toute l'attention esthétique que les Égyptiens ont accordée à leur écriture monumentale, visiblement conçue comme telle. Il fallait en effet qu'elle puisse se retrouver et rester lisible aussi bien sur une paroi à hauteur d'homme qu'autour d'une porte ou à plusieurs mètres de hauteur sur une colonne. On comprend donc que l'assemblage des signes hiéroglyphiques en ligne ou en colonne régulière, suivant les formes de l'architecture qui leur servait de support, ait fait l'objet d'une attention particulière. L'écriture devait participer d'une certaine manière à l'équilibre esthétique du monument et il convenait d'économiser au mieux l'espace réservé au texte. Au départ, ce n'était pas gagné. Sur les fameuses étiquettes de jarre de la première dynastie, par exemple,
on peut observer que les signes occupent beaucoup de place par rapport aux images. Ils se limitent donc à désigner sommairement les personnages et les faire représenter, et leur organisation en ligne et en colonne n'est pas du tout évidente au premier regard. Mais très rapidement, les hiérogrammates imaginèrent des solutions d'assemblage harmonieux, des signes entre eux favorisant tant cet équilibre esthétique que la lisibilité du texte en tant que tel au niveau linguistique. À côté d'un calibrage des signes au détriment de leur valeur purement figurative, le signe de la chouette ayant par exemple la même taille que celui de l'éléphant, une de ces solutions fut le développement de l'usage de ce qu'on appelle dans le jargon égyptologique des cadras, unité abstraite dont Stéphane vous a déjà parlé. Ce regroupement structuré des signes en cadras devint très vite un des principes de base de l'organisation spatiale des hiéroglyphes. Concrètement, il s'agit de rassembler les différents signes d'un mot ou d'une portion de texte dans des cadres imaginaires en fonction de leur morphologie dans le but de laisser le moins d'espace vide, on parle en latin d'horror vacui, c'est-à-dire d'occuper au mieux l'espace imparti au texte afin de le rendre le plus compact possible, et par conséquent, deux, de pouvoir communiquer plus d'informations au sein de ce même espace. De manière générale, on peut distinguer quatre grands types de calibrage des signes hiéroglyphiques. On retrouve des signes hauts et larges, comme la chouette et l'éléphant, des signes hauts et étroits, comme la massue ou la colonne, des signes bas et larges, comme la surface de l'eau ou le rouleau de papyrus, et des signes bas et étroits, comme le pain ou le tabouret. Afin de les assembler les uns aux autres de façon harmonieuse et de structurer ainsi le texte en différents cadras les uns après les autres, les hiérogrammates vont donc tenir compte de la forme générale des signes. Un exemple type de cadra est ainsi le placement de deux signes bas et étroits l'un à côté de l'autre, surmontant un signe bas et large, comme dans PET, le ciel, ou alors de deux signes larges suffisamment bas pour être superposés horizontalement au-dessus de deux petits signes bas et étroits, comme dans Peret, sortir. Un autre schéma type d'assemblage est celui du signe haut et étroit, précédant deux signes larges superposés, comme dans Hymen, amont, ou précédant un signe large surmontant un signe bas et étroit, comme dans Ankh, vie. Certains de ces signes bas et étroits vont d'ailleurs pouvoir être disposés aussi bien verticalement qu'horizontalement, en subissant une rotation. C'est le cas par exemple du signe du rouleau de papyrus, qui au besoin va se retrouver placé à la verticale à la fin d'un mot comme classificateur, comme dans Kema, apparence. Certains signes moins géométriques, notamment ceux qui représentent des animaux ou des parties du corps humain, vont être associés à des signes bas et étroits, non plus verticalement ou horizontalement, mais diagonalement, avec insertion d'un signe dans un autre. Je peux vous montrer comme exemple des graphies des mots tout, image, sa ré, le fils de ré, ou encore cet épène ré, élu de ré, comme dans le cartouche de Ramsès II. Il ne s'agit pas pour vous à ce stade de lire toutes ces graphies, bien sûr, mais de comprendre les différents types d'organisation spatiale des hiéroglyphes au sein de ces dernières. Enfin, certains hiéroglyphes servent parfois eux-mêmes de cadre à d'autres, et c'est alors en lecture globale qu'il convient de les déchiffrer. Par exemple, dans Hout Er, Hathor, le signe du faucon, Her, désignant le dieu Horus, est placé à l'intérieur du signe du temple Hout, qui lui sert en quelque sorte de cadre. Ce jeu graphique permet en outre d'exprimer le lien entre les deux divinités. C'est dans le ventre d'Hathor, associé à Isis, que grandit en effet Horus. En somme, vous m'avez compris, un nombre important de solutions graphiques était à disposition du hiérogrammate pour assembler harmonieusement les signes entre eux à l'intérieur de ces cadras. Ce faisant, il était en mesure d'agencer au mieux son texte sur la paroi du monument.
Il semble que toute la créativité du hiérogrammate, qui dans certains cas n'était autre que le scribe qui composa le texte, résidait dans sa capacité d'adapter au mieux le texte et la composition des mots à son contexte monumental. Dans la tombe du vizir Amenemopée sur la rive ouest du Nil à Louxor, il est ainsi amusant de constater que le scribe est parvenu à étirer au maximum un texte référent à des actions rituelles afin que celui-ci occupe le plus d'espace possible, contrairement au modèle dont il se servit, qui apparaît quant à lui bien plus compact. Eh bien, c'était à nouveau intéressant. Bonjour Monsieur Papillon. Je sais pas vous, mais moi en fait, avant cette vidéo-là, je ne comprenais pas bien comment s'organiser un cadre. Et là, je dois dire que c'était plutôt utile, parce que j'ai vraiment compris la disposition et ce que c'était concrètement en fait. Au départ, j'avais l'impression que le cadre, c'était en fait toute la bande ou la manière dont c'était agencé. Enfin, c'était vraiment pas clair dans mon esprit. Et là, maintenant, c'est bien clair. En fait, c'est un espace carré quelque part, rectangulaire, en tout cas selon la taille qu'on peut lui donner, qui est donc imaginaire, dans lequel on met plusieurs signes disposés d'une façon ou d'une autre selon l'espace qu'ils prennent pour pouvoir tout mettre dans le cadre en fait. Ok, et alors on peut aussi les faire pivoter, etc., selon ce qu'on veut leur donner comme sens, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir alors peut-être faire un quiz. Ça, c'est chouette. Alors, ici. Donc ici, Monsieur Papillon. Je ne sais pas si tu étais déjà venu sur, sur mes précédents lives. En fait, quand il y a un petit quiz, donc on le fait ensemble. Je lis les questions, les réponses, puis alors j'en choisis une, ou plus s'il y en a plusieurs à choisir. Et alors, faut pas hésiter à me contredire ou à confirmer ce que je choisis dans le chat, à poser les questions, etc. Comme ça, c'est un peu... comme ça, on a des échanges, c'est un peu plus chouette. Et voilà. Donc voilà. On va commencer avec la première question. Pourquoi l'écriture hiéroglyphique est-elle si modulable? Parce que les Égyptiens pensaient en termes de modules. Parce que les signes qui les composent sont des images principalement figuratives. Parce qu'elles étaient destinées aux dieux. Parce que les équipes de scribes étaient toujours composées d'un nombre égal de gauchers et de droitiers. Bon. Là, ils sont quand même assez sympas. Pour la première question, ça tombe un peu sous le sens. Ah, voilà, c'est super ça. Comme ça, on va pouvoir voir si je ne me trompe pas. oui. Du coup, si tu as des questions, sait-on jamais, n'hésite pas à les poser dans le chat. Et, si je sais y répondre, j'y répondrai. Sinon, c'est le professeur Police qui pourra y répondre. Je fais remonter alors les questions, vu que c'est un MOOC en collaboration avec l'Université de Liège. Voilà. Voilà, c'était des images principalement figuratives, c'est pour ça qu'elles étaient si modulables, selon moi. Quel est l'ordre de lecture correct de cette image? De gauche à droite et haut en bas. De gauche à droite et bas en haut. De droite à gauche et haut en bas. De droite à gauche et bas en haut. Alors, dans chaque cadre, partout, ok. Alors déjà, on va commencer de gauche à droite, donc on peut retirer les droites à gauche. Et alors, comment savoir si on lit de haut en bas ou de bas en haut? Ça, c'est une bonne question. Alors moi, je dirais, si je prends la même logique que pour le gauche à droite, je dirais de bas en haut ou de haut en bas. En fait, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu en penses, Monsieur Papillon? On irait plutôt de bas en haut ou de haut en bas? Je me dis... je me dirais de haut en bas. On va voir, je vais toujours répondre ça. De haut en bas. Voilà, en tout cas, c'est la logique que j'en dégage. On va voir après.
Les hiéroglyphes constituent l'écriture de l'administration pharaonique, des formules magiques, des rébus, l'écriture monumentale égyptienne. Mais comme il l'a dit, c'était principalement sur des monuments, donc c'est monumental. Alors. Alors, ça, je vais le lire à haute voix, ça va être intéressant. Il y a un signe qui le donne, qui te donne une indication, c'est MN qui a son complément phonétique après en dessous. Donc de haut en bas. Donc je répète, parce qu'en fait c'est écrit tout petit. Il y a un signe qui te donne une indication, c'est MN qui a un son complément phonétique après en dessous. Ok. D'accord. L'orientation des textes hiéroglyphiques peut être déterminée par la position du monument par rapport à l'étoile polaire, la position du lecteur potentiel au sein du monument, l'orientation de la scène à laquelle il se rapporte, la place du dieu au sein du temple où le texte se trouve. Pour moi, c'est l'orientation des textes. Pour moi, c'est la 3, hein, en fonction du sens de la scène, en fait. Hein. Donc on dit un tout normalement. Qu'est-ce que l'écriture hiéroglyphique rétrograde? Alors là, pour donc ça, je m'en souviens, hein, mais je me dis, donc c'était vraiment les scribes initiés, les scribes oui, religieux en fait, hein, qui écrivaient justement les formules magiques, etc., pour protéger les défunts. Je me dis... Comment est-ce que nous, humains modernes, au moment où on a découvert justement les hiéroglyphes, on a commencé à les étudier, etc., comment est-ce qu'on a fait pour comprendre que ces hiéroglyphes rétrogrades se lisaient dans le sens contraire? Comment est-ce qu'on a fait pour comprendre ça? Parce que c'est complètement contre-intuitif en fait. Peut-être qu'on s'est rendu compte que ça ne voulait rien dire dans un sens, et on s'est dit, ça va sûrement se lire dans l'autre, hein, mais peut-être. Ben oui, ça j'imagine, en effet. Donc, l'écriture originelle de l'Égypte prédynastique, une écriture qui se lit dans le sens opposé à l'orientation des signes, bon, on sait déjà que c'est ça. Une écriture critique dégradante, caractéristique de l'édite pharaonique. Une écriture qui se lit en avant et en arrière. Donc, ben non, parce que si en plus ça se lisait en avant et en arrière, ce serait... Après, j'ai envie de dire pourquoi pas, ce serait comme des hiéroglyphes traditionnels en fonction du sens dans lequel va le signe, en fait. S'il va de gauche à droite ou de droite à gauche, voilà. Mais là, on sait que c'est dans le sens opposé. Donc là, on n'a pas de doute. Voilà, on met la vérification. Donc, qu'est-ce que l'écriture hiéroglyphique rétrograde? Une écriture qui se lit dans le sens opposé à l'orientation des signes. L'orientation du texte hiéroglyphique peut être déterminée par l'orientation de la scène à laquelle il se rapporte. Donc ça, on l'a vu dans les précédents modules, et donc c'est assez clair et logique. Les hiéroglyphes constituent l'écriture monumentale égyptienne. Alors là, j'ai fait une erreur, mais il ne m'a pas mis les réponses. Voilà. Alors, quelle était l'erreur? Alors... Ah ouais, bah là par contre, je tombe des nues. Quel est l'ordre de l'écriture correcte de cette image? Droite à gauche, haut en bas. Parce qu'ici, si on regarde le tout premier signe, le tout premier hiéroglyphe, on voit que l'aigle, je veux dire que c'est un aigle ou peut-être un vautour, je ne sais pas, en tout cas, le tout premier va, pour moi, il tend vers la droite, ouais, donc il se lit pour moi de gauche à droite en fait. Bizarre. Ah, ok. Attends, tu as mis le sens d'orientation et non le sens de lecture. L'ordre de lecture de cette image. Mais je t'avoue que je pensais que c'était la même chose en fait. Pour lire un texte, tu vas
à la rencontre du regard des signes. D'accord, ok. Et alors, la première question, c'était: pourquoi l'écriture hiéroglyphique est-elle si modulable? Parce que les signes qui la composent sont des images principalement figuratives. Ok. Bien voilà, on va pouvoir leur passer au suivant, qui va nous parler du répertoire extensible. Et c'est parti, on lance la vidéo. Le système hiéroglyphique possède un répertoire de signes ouvert, à la différence de nos écritures alphabétiques, où l'on s'imaginerait mal ajouter de nouvelles lettres en fonction de nos besoins. Les Égyptiens pouvaient à la fois modifier les hiéroglyphes existantes et en inventer des nouveaux. Dans la mesure où les hiéroglyphes sont des images du monde, les scribes ont pu intégrer dans le répertoire de nouveaux concepts sous forme de signes d'écriture plus ou moins standardisés. En ce sens, le répertoire des hiéroglyphes est donc théoriquement infini. Selon une estimation récente, un fonds d'environ 600 signes constitue la base du système et peut remplir toutes les fonctions linguistiques essentielles. Il s'agit des phonogrammes et des sémogrammes d'une portée plus générale. C'est en effet au-delà de ce qui est essentiel et strictement nécessaire que la richesse du système s'épanouit réellement. Le but de ces capsules est d'illustrer cette richesse et de résumer les différentes raisons qui peuvent expliquer l'extension du système. Pour ce faire, je vous propose d'adopter une approche plus ou moins diachronique en suivant l'évolution du système dans le temps. À la période protodynastique et à l'Ancien Empire, il existe un nombre considérable de signes qui ont des référents très spécifiques et sont surtout utilisés comme classificateurs ou logogrammes pour des termes techniques qui relèvent des domaines spécialisés. Un bon exemple en est le signe du bonhomme assis, qui tient une petite bourse dans sa main et sert à écrire le mot « sementi », « prospecteur ». La bourse dans la main de l'homme évoque évidemment les représentations des métaux rares et des pierres précieuses qui sont figurées comme enveloppées dans des sacs en cuir ou en tissu. Vu cette responsabilité, l'homme tenant la bourse se trouve surtout dans des inscriptions rupestres en Haute Égypte, dans les vallées désertiques explorées par des expéditions comme le Wadi Hammamat ou le Wadi Midrik. En outre, on trouve des précieux nombrés renseignements sur ces gens à la bourse, dans les inscriptions des sceaux découverts dans les centres régionaux où ces richesses ont été rassemblées, comme par exemple à Bouhen, une forteresse en Nubie, ou à Edfou. Il faut noter que ce signe disparaît presque entièrement après l'Ancien Empire, ce que l'on pourrait lier à des restructurations socio-économiques dans le modèle de gestion d'expédition. Mais il y a aussi une explication de nature plus systémique, c'est-à-dire interne à l'évolution du système hiéroglyphique. Beaucoup d'autres signes spécifiques semblent en effet disparaître à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, un moment où l'on observe une tendance à la standardisation du système graphique. Inversement, après l'Ancien Empire, plusieurs facteurs suscitent la création de signes nouveaux qui n'étaient pas encore présents dans le répertoire à cette époque-là. D'abord, il y a une série de cas très concrets où le signe est en relation directe avec ce qu'il représente, qu'il s'agisse d'une personne, d'une divinité, d'un outil ou d'un bâtiment. Une bonne illustration est un classificateur qu'on trouve dans les inscriptions de la célèbre chapelle blanche du roi Sésostris Ier de Karnak. Il classifie le nombre du reposoir qui signifie « celui qui élève les deux couronnes d'Horus ». Cette représentation d'un reposoir à quatre piliers, auquel on accède par une rampe sur le décoté, correspond en effet exactement à l'aspect architectural de cette chapelle. Il est donc une représentation directe du référent. Apparentés à ces cas sont des signes plus génériques qui reflètent des innovations technologiques, par exemple le char et le cheval.
Ils sont introduits en Égypte durant la deuxième période intermédiaire et apparaissent comme signes hiéroglyphiques peu après. L'introduction de nouveaux signes ou la modification des signes existants peut également être motivée par des préoccupations plus abstraites, y compris des natures politiques, voire idéologiques. Prenons l'exemple du signe Waset, Thèbes, sur la colonne d'un roi Hontef, qui faisait partie du premier temple d'Amon de Karnak. Si on le compare avec le signe standard contemporain utilisé pour écrire le nom de ce territoire, on observe qu'il a été anthropomorphisé et pourvu d'armes. Cela illustre bien le programme politique des souverains thébains de l'ancienne dynastie, qui attaquaient les rois du Nord afin d'unifier le pays et d'établir leur statut de roi du pays tout entier. On notera au passage que la localisation de ce texte au sein du temple d'Amon de Karnak montre bien que les enjeux politiques sont toujours intimement liés aux conceptions religieuses en Égypte. Je vous donne un autre exemple plus tardif. Sous le roi Akhenaton, on observe la création du signe du soleil dont le rayon se termine par des mains humaines. Il est utilisé comme classificateur de mots liés à la lumière. Évidemment, ce signe renvoie directement aux représentations figurées de qualités lumineuses du dieu Aton de cette époque. D'ailleurs, peu après l'épisode amarnien, le signe disparaît du répertoire hiéroglyphique. L'ajout des nouveaux signes a sûrement atteint son apogée avec une pratique d'écriture monumentale que l'on appelle cryptographie, ou pour employer un terme qui est plus proche de l'intention originale des Égyptiens, écriture énigmatique. Les textes de ce type deviennent de plus en plus nombreux au Nouvel Empire et ce principe est par exemple à l'œuvre dans quelques architraves du temple Louxor, dont les textes nous racontent comment le monument fut construit, décoré et dédié. Le dernier signe de ces parties du texte à ma droite montre la mèche des cheveux inscrite dans un rectangle et il se lit Iner Khem. Pierre noire fait son référence au granit noir. Comment arrivait-on à cette lecture? Il faut lire les deux composantes du signe, l'un après l'autre. Il se compose en effet d'un bloc de pierre rectangulaire qui prend la valeur logographique Iner, pierre, et de la mèche des cheveux, typiquement brun ou noir, en égyptien Khem, ce qui donne Iner Khem, pierre noire, granit noir. Par ailleurs, ce dernier exemple de la mèche des cheveux montre aussi qu'il n'y a pas que le répertoire des signes qui est extensible, mais aussi leur fonction. En effet, la mèche des cheveux n'a normalement pas la valeur Khem noir, mais fonctionne soit comme classificateur de ce qui est relatif aux cheveux ou à la peau, soit comme logogramme pour « chez nous, les cheveux ». Comme on vient de voir, la pierre avec la mèche des cheveux à l'intérieur appartient au groupe des signes composés parce qu'ils se composent de différents signes qui sont combinés mais peuvent aussi être utilisés de manière indépendante. Ce type d'hiéroglyphes existe déjà aux époques les plus anciennes, mais ils n'enrichissent pas considérablement le répertoire avant le début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la fin de la première période intermédiaire. Tandis que les premiers signes composés sont encore peu nombreux et suivent une certaine logique picturale, un grand nombre de ceux qui apparaissent au Nouvel Empire et aux époques plus tardives utilisent l'espace disponible de la manière la plus esthétiquement satisfaisante. Je m'explique. Un vase qui marche sur le ciel, le nom du dieu Onuris, suit encore une logique qui est iconiquement compréhensible. Mais la combinaison de la faucille Ma et de son complément phonétique en forme d'oiseau Alif est déjà un concept purement graphémique. Cet éloignement des signes de leur valeur iconique originale est aussi à l'œuvre dans le cas des hiéroglyphes qui viennent des écritures cursives et sont introduites dans le système monumental à différentes époques de l'histoire égyptienne. L'exemple le plus célèbre est sûrement le signe de la spirale qui dérive de la version tachygraphique du poussin et qui, à la suite, a été interprété comme corde enroulée. Un autre exemple du même type est la boucle du panier du bonhomme armé
qui se détache de lui en hiératique et devient un signe hiéroglyphique à part entière. D'autres signes, ou plutôt variantes de signes, sont en effet des réinterprétations d'un signe existant, parfois influencé par la manière dont on écrivait le signe en hiératique. Prenons l'exemple du ciseau des sculpteurs qui a la valeur AB et MECHER. Certaines de ces variantes cursives sont décomposées en deux parties, comme vous le voyez ici. À partir de telles graphies, certains scribes ont lu la partie supérieure du signe comme un vase et le trait sur lequel il repose a été identifié comme son support. Par conséquent, dans plusieurs inscriptions, les artistes ont employé le signe du vase sur un support à la place du signe du ciseau, une évolution qui est due à l'influence de la cursive sur la norme monumentale. Ayant parcouru tous ces exemples, vous aurez compris que l'étude des hiéroglyphes ne se limite pas à la dimension linguistique, mais qu'elle touche à tous les aspects de la culture pharaonique. En effet, ce sont les changements et les évolutions d'ordre socioculturel, technologique, idéologique et religieux qui provoquaient l'extension du répertoire des signes. Et cela ne se manifeste pas seulement par l'ajout progressif des hiéroglyphes, mais aussi par l'actualisation de signes obsolètes, leur réinterprétation, la combinaison des hiéroglyphes et des glissements purement graphiques entre les différentes normes d'écriture. Tous ces phénomènes culminent avec l'extension accélérée du système durant le premier millénaire avant notre ère, tel que l'on observe dans les inscriptions de temples gréco-romaines. Il s'était en effet composé par des hiérogrammates possédant une culture pharaonique profonde, reposant sur une matrice du savoir lettré de toutes les époques antérieures. Pour conclure cette capsule, il est nécessaire d'insister sur le fait que l'évolution du système graphique est loin de suivre une logique linéaire. Des signes apparaissent et disparaissent, et certains hiéroglyphes sont même ressuscités par les artistes ou les prêtres savants pour se rapprocher de l'idéal des époques anciennes. Il ne faut jamais oublier que l'évolution des hiéroglyphes est mieux comprise si on lui applique des approches variées qui combinent les méthodes de la linguistique et de l'histoire de l'art. Car en fin du compte, l'écriture hiéroglyphique ne reflète pas uniquement le monde égyptien, elle nous donne accès aux fondements de la pensée des anciens égyptiens. Bon, j'avoue que la fin de la vidéo était un peu plus abstraite pour moi et il parlait très très bas. Mais ok, le début ça allait, vers la fin j'ai eu plus de mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors je lis un peu ce qu'il y a dans le chat. Malheureusement, je dois... je ne sais pas bien lire. Ah voilà. Malheureusement, je dois aller en cours de hiéroglyphe, justement. Bonne fin de leçon. Ah ben, ça va. Merci à toi, monsieur Papillon. Voilà, ici j'ai en fait le chat sur ma tablette. Et en fait, YouTube a eu la merveilleuse idée de mettre un cœur en plein milieu du truc. Et donc, quand je veux lire, en fait, la fin de la phrase se met en plein derrière le cœur. Donc, je ne sais pas tout lire correctement. Super pratique. Merci YouTube. Alors, ici, donc, je vais continuer. Ouais. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé ici par rapport justement aux hiéroglyphes qui étaient créés sur mesure, etc. Apparemment, de ce que j'en ai compris, ça dépendait un peu ben, voilà, des périodes, des contextes, notamment politiques, ouais, des normes, etc. Et puis alors, on voit qu'il y a eu des interprétations, des réinterprétations, et donc c'est quand même assez complexe. Hein. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas facile à cerner. Ici, dans un MOOC, en tout cas, si vraiment on dédie notre temps à l'apprentissage vraiment en profondeur des hiéroglyphes, oui. Mais vraiment, ici, je trouve que c'est pas facile. Alors, le répertoire des hiéroglyphes égyptiens se limite à environ 100 signes, se limite à environ 600 signes, se limite à environ 3000 signes et théoriquement infini.
Alors, il y a une seule réponse. Moi, je dirais qu'en fait, il peut être infini parce que, bon, en fait, on peut créer tous les hiéroglyphes qu'on veut en fonction des besoins. Mais je me souviens qu'ils avaient dit qu'il y avait 600 signes. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se limite aux 600 signes? Ou est-ce qu'on se dit que théoriquement c'est infini? Parce que c'est vrai, techniquement, ou théoriquement, c'est infini vu qu'on peut représenter des choses qui apparaissent au fur et à mesure de l'histoire, en fonction des révolutions technologiques par exemple, avec le char qui apparaît. Et on a même des hiéroglyphes qui changent complètement d'apparence, comme on voit avec par exemple le burin, je crois, qui se transforme en pot avec un support. Donc, moi je dirais que c'est théoriquement infini en fait, hein. Si tu peux créer autant de hiéroglyphes que tu veux, pour moi, il n'y a pas de limite. Alors, plusieurs réponses possibles ici. Les facteurs qui suscitent la création de nouveaux signes hiéroglyphiques comprennent les changements socioculturels, l'idéologie royale, l'analphabétisme de la majorité de la population, l'influence des écritures alphabétiques, l'influence des écritures cursives. Alors pour moi, il y a les changements socioculturels, l'idéologie royale, vu qu'on parle de politique. L'analphabétisme de la majorité de la population, pour moi, non, je ne pense pas. Les écritures alphabétiques. Et l'influence des écritures cursives. Je vais me laisser un peu de temps, je vais laisser celle-là sur le côté et je reviendrai après dessus. Dites-moi si vous avez d'autres réponses, si vous choisiriez d'autres réponses en plus de ces deux-là. Les signes composés se composent de différents signes qui peuvent aussi être utilisés de manière indépendante. Ce sont des signes exécutés avec une combinaison de différentes techniques d'inscription. Sont très rares dans les écritures cursives parce qu'ils exploitent le potentiel figuratif des signes, sont très nombreux également dans l'écriture cursive. En fait, on a vu par exemple avec justement avec le burin qui devenait un pot avec un support, que on a pu justement le comprendre grâce à l'écriture cursive, si j'ai bien compris. Donc pour moi, ça se compose de différents signes qui peuvent être aussi utilisés de manière indépendante. Alors, ce sont des signes exécutés dans une combinaison de différentes techniques d'inscription. Non. Ils sont très rares dans l'écriture cursive. Non, c'est l'opposé de la dernière réponse. Donc non, pour moi, c'est que ces deux-là. Alors, cette image montre l'influence cursive sur l'écriture hiéroglyphique. Un exemple d'écriture énigmatique, un exemple de réinterprétation des signes. Alors, donc il y a une seule réponse. Donc l'écriture énigmatique, je sais que c'est la cryptographique, je crois, si le nom est exact. Mais je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Un exemple de réinterprétation des signes. Oui, enfin, je pense. Hein. Je dirais peut-être un exemple de réinterprétation des signes. Parce qu'en fait, c'est la même image que celle qu'on avait dans la vidéo. Et on voit justement en bas à gauche le rectangle avec dedans la mèche de cheveux, qui veut dire donc noir. Et le carré, ou le rectangle, hein, c'est un bloc de granit. Donc c'est le granit noir. Alors je me surprends à redire ça parce qu'en fait, sur le moment, ça me paraissait tellement flou. Je suis vraiment étonné de pouvoir ressortir cette explication. Donc pour moi, c'est une réinterprétation parce qu'en fait, la mèche de cheveux, de manière idéologique, ça veut dire donc le cheveu, les cheveux. Ça peut vouloir donner un sens, donc un classificateur, je pense, pour ce qui est de la peau ou de la chevelure noire. Voilà. Et donc ici, en fait, si on incorpore la mèche de cheveux dans le granit,
ce qui en fait ne nous ferait jamais penser à du granit noir, hein, soyons honnêtes, bah, vu qu'il y a un point commun entre le fait que ça donne un indice sur la couleur noire du cheveu ou de la peau, bah, du coup le granit devient noir. Donc pour moi, c'est une réinterprétation. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon raisonnement. Je reviens sur la deuxième. Donc les facteurs qui suscitent la création de nouveaux signes hiéroglyphiques comprennent les changements socioculturels. Donc ça, oui. L'idéologie royale, oui. L'analphabétisme, pour moi, non. Parce que, ben justement, il fallait être alphabétisé. Il fallait être alphabète, pardon. Il fallait pouvoir en tout cas lire les hiéroglyphes pour pouvoir les comprendre. Donc pour moi, c'est comme pour toutes les langues. Il faut pouvoir la lire pour pouvoir... Enfin voilà, il faut l'apprendre pour pouvoir la lire. Les hiéroglyphes ont parfois tendance à être... certains en tout cas facilement compris, mais il y en a d'autres qui sont complètement abstraits. Donc il faut vraiment pouvoir être érudit. Donc moi je dirais que ça, c'est pas bon. L'influence des écritures alphabétiques... non. En fait, c'est la quatrième, je me dis, l'influence des écritures cursives. Une question que je me pose, et je ne pense pas qu'on y ait répondu dans le MOOC jusqu'à présent, c'est est-ce que le hiératique pouvait exister en même temps que, les hiéroglyphes? Ou est-ce que le hiératique est vraiment une évolution des hiéroglyphes et un peu abandonner justement les hiéroglyphes? Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme si l'un avait pris le pas sur l'autre et que l'autre, du coup, n'était plus utilisé. Ça, c'est une question que je me pose. Et là, jusqu'à présent, je ne pense pas avoir eu la réponse. Mais heureusement, après, on a le module 4 qui explique justement vraiment tout le hiératique, etc. Là, on aura peut-être l'explication. J'hésite vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je mets la quatrième ou pas? Moi, je dirais non. Non, je ne le mets pas. On va vérifier. On enregistre. C'est bon. Vérification. Afficher la réponse. Voilà. Alors ici, pour la quatrième, donc je me suis trompé. Cette image montre un exemple d'écriture énigmatique. Ah oui. Mais en fait... Vu que je ne me souviens pas de ce que veut dire écriture énigmatique, forcément, voilà. Et c'est dommage parce qu'en fait, mon explication sur la chevelure noire, là, et donc le granit noir, tenait bien la route. Donc, dommage. Alors, décidément, pour la 3, les signes composés se composent de différents signes qui peuvent aussi être utilisés de manière indépendante. Alors, sont très rares dans les écritures cursives parce qu'ils exploitent le potentiel figuratif des signes. Ah ben voilà. Du coup, de nouveau, j'avais mal compris. Et je remarque ici avec cet intervenant-ci, j'ai parfois un peu du mal à comprendre. Je crois que c'est la manière dont le script... parce qu'en fait, on voit que c'est prompté. Hein. Je crois que c'est la manière dont c'est lu. Qui est un peu saccadé, et donc j'ai vraiment du mal à enregistrer l'information. Enfin, je ne trouve pas d'excuses, hein, je me suis trompé, mais vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Alors, les facteurs qui suscitent la création de nouveaux signes... Les facteurs qui suscitent la création de nouveaux signes hiéroglyphiques, j'avais hésité, j'aurais dû le prendre finalement. Donc c'est les changements socioculturels, l'idéologie royale et l'influence des écritures cursives. La première, heureusement, était quand même juste. Je sauve les meubles. Le répertoire des hiéroglyphes égyptiens est théoriquement infini. Bah oui, c'est ce qui me semblait logique. Mais ouais. Là, ce sera peut-être... Voilà, ici, donc si jamais, aussi donc dans les précédents modules, je le précisais, avec le professeur Polis, donc on en a discuté, il m'a dit, il y avait moyen aussi de faire remonter...
les avis des personnes qui font le MOOC, qui suivent le MOOC aussi avec moi, sur la manière dont les savoirs sont transmis, si la manière dont les explications sont fournies, si c'est bien clair, etc. Voilà, ne pas hésiter à dire quand c'est clair, quand ça ne l'est pas, comment on pourrait justement aider à être mieux, plus facilement compris. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, ne pas hésiter à faire remonter ça. Donc si vous avez des suggestions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires pour vous, vraiment dans la matière, dans la manière dont c'est transmis, n'hésitez pas à le faire. Moi ici, je pense que je le ferai remonter pour la lecture du prompteur, qui fait que parfois c'est un peu saccadé. Et vraiment ici, j'ai vraiment eu du mal en fait. En plus du fait que ce soit pas hyper, hyper facile à comprendre en fait. Vraiment pour cette partie-ci, j'ai vraiment eu du mal. Je ne sais pas, vous dites-moi un peu ce que vous en pensez, aussi vous de votre côté. Est-ce que pour vous c'était super clair et en fait c'est moi qui ai eu du mal? Ou est-ce que la manière dont c'était expliqué n'était pas hyper claire? Ou est-ce que c'est aussi la matière qui est compliquée? Voilà, donnez-moi un peu votre avis. On va passer à la suite. Les origines de l'écriture hiéroglyphique. Je vais un peu scroller parce que ça m'intrigue. Ok, d'accord. Là, je vais lire, comme ça, ce sera plus clair. Dans ces capsules, Stéphane Polis a rencontré deux experts de l'origine de l'écriture hiéroglyphique, Pascal Vernus et Andrea Stauder, dans le magnifique écrin du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Chaque question fait l'objet d'une capsule. Capsule 1, quel type de communication visuelle existait dans l'apparition de l'écriture? Je relirai tout après, hein, un à un, pour que ce soit plus simple. Capsule 2, quelle est la spécificité de l'écriture par rapport à ces systèmes de signes préexistants? Capsule 3, peut-on toujours croire aujourd'hui à la thèse finaliste qui voudrait que l'écriture ait été inventée pour les besoins de l'administration et de la bureaucratie? Là, je pense déjà pouvoir répondre. Capsule 4, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer l'apparition de l'écriture dans le cadre socio-culturel particulier de l'Égypte? Capsule 5, combien de temps il faut pour arriver à l'écriture au sens commun du terme? Capsule 6, quels sont les contenus typiques des premières inscriptions hiéroglyphiques et des objets sur lesquels on les trouve? Okay. Capsule 7, quelles sont les voies empruntées par les scribes qui découvrent l'écriture? Ah, j'ai un peu mal au dos. Quel est le contexte d'action des personnes qui ont inventé l'écriture en Égypte? Quels sont les grands foyers d'invention de l'écriture et quelle place occupe l'Égypte parmi ces derniers? Je vais boire un petit coup d'eau. Enfin, de nouveau, c'est du thé. Ok. Donc, on va cliquer sur Play et alors, voilà. On va voir ce qu'on dit. Donc, pour la première, c'est... Pour la première capsule, quel type de communication visuelle existait avant l'apparition de l'écriture? On va voir, on va cliquer dessus. Okay. Ah ouais, ça par contre... Lipton Ice Tea Sparkling. C'est très moyen, je trouve. Des bulles délicieuses et rafraîchissantes. Pas top de devoir se taper des pubs justement. Lipton Ice Tea, du soleil à partager. Parce qu'en plus, YouTube est du genre de mettre 3-4 pubs de 20 secondes. Donc ça, je trouve que ça nuit vraiment à l'expérience. Donc ça, je vais aussi le partager. Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des débuts de l'écriture hiéroglyphique. J'ai eu la chance de rencontrer deux grands experts de la question, Pascal Vernus et Andreas Stauder, dans le magnifique écrin du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour cette occasion. Mon idée était de vous faire découvrir ce que l'on sait, 200 ans après le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, de l'origine et de l'émergence de l'écriture hiéroglyphique à travers la voix de ces deux spécialistes. Commençons par poser le cadre. Nous sommes aux alentours de 3150 avant notre ère, lorsque les premières manifestations de ce que l'on pourrait appeler écriture se font jour en Égypte.
Mais cette écriture ne naît pas de nulle part. Elle apparaît et s'épanouit au sein d'une civilisation qui possède déjà une très riche culture visuelle. J'ai donc demandé à Andreas Stauder quel système de communication visuelle existait avant l'apparition de l'écriture. Alors, il y a effectivement une riche culture visuelle qui se développe depuis le début du 4e millénaire et qui, au cours particulièrement de la deuxième partie du 4e millénaire, plus on s'approche de la fin du 4e millénaire, évolue et évolue rapidement. C'est une culture qui est essentiellement basée sur les représentations animales et qui, à partir d'environ 3300 avant notre ère, ce qu'on appelle Nagada 3A en jargon technique, mais retenons simplement la date, à partir de 3300 avant notre ère, met de plus en plus l'accent sur des images qui expriment le pouvoir, la domination, la conquête. Donc quelque chose qui a trait à une royauté, un pouvoir en train de se constituer. Avec un focus essentiellement sur des formes animales qui sont investies symboliquement de manière très complexe. On n'arrive d'ailleurs pas véritablement à bien décoder tout cela. Et l'écriture naît environ 150 ans plus tard, ou émerge 150 ans plus tard, sur cet arrière-plan, en contact, et du coup ce n'est pas du tout surprenant, très étroit avec la royauté, un appareil emblématique de la royauté, ça, Pascal Vernus a beaucoup écrit sur ce point. Et c'est seulement dans un second temps que véritablement les signes humains, le corps humain, sont introduits. Voilà. Très sommairement, il y a un élément que j'aimerais ajouter sur cette culture visuelle, c'est qu'au fur et à mesure que vers 3300, elle devient de plus en plus proche ou expressive d'un pouvoir qui se constitue, elle devient simultanément de plus en plus exclusive. C'est-à-dire que ce sont des formes visuelles qui ont non seulement un symbolisme complexe, mais qui, au niveau de leur matérialité, sont sur des matériaux qui sont de plus en plus exclusifs, par exemple l'ivoire, dur à travailler, par exemple le relief, le bas-relief, voilà, ça implique une spécialisation technique, et que du coup ces formes visuelles, ipso facto, par leur matérialité, pointent vers une élite qui est en train de s'affirmer à travers ces formes. Et ça, c'est un autre arrière-plan très important de l'écriture, dans le cas de l'Égypte ancienne. Et corrélativement à ce développement de cette culture visuelle de plus en plus sophistiquée, complexe et exclusive, on observe en quelque sorte un épuisement ou un vidage de la culture visuelle pour le reste des couches sociales du pays. Ce qui a été appelé, voilà, c'est le terme technique, une évolution de la simplicité, c'est-à-dire qu'on imagine toujours que les choses évoluent vers la complexité, mais corrélativement, on a une évolution vers la simplicité où les formes, par exemple, de la céramique commune deviennent de plus en plus standardisées. En d'autres termes, on peut s'imaginer ça intuitivement comme un effet de siphonnage par le pouvoir central ou encore un effet de, en anglais, on parlerait de bottleneck, on dit un cul de bouteille, c'est ça en français ? Ouais. Voilà, qui est d'ailleurs très typique des contextes où naissent les écritures de par le monde. Voilà, donc c'était assez court. Ouais, c'est vachement ennuyant par contre, parce que moi j'avais mis en plein écran. Donc, je vais retourner à côté, d'accord. Ouais, ça va être un peu chiant, ça, on va pas se mentir. Hop. Voilà. Ok, et donc ici, chaque question est l'objet d'une capsule. Ok, d'accord. Est-ce qu'on doit répondre ensuite ? Ça n'a pas l'air d'être mis, hein. Ok, ah, ça c'est bien fait par contre. D'accord, on va continuer alors. J'espère ne pas avoir des pubs tout le temps parce que ça va être vraiment très très lourd. Alors, quelle est la spécificité de l'écriture par rapport à ces systèmes de signes préexistants ? Je vais relire la question. Quelle est la spécificité de l'écriture par rapport à ces systèmes de signes préexistants ? Ok, c'est clair. De nouveau, ça s'ouvre à côté. Et on chocolat gold ou caramel. Hop, voilà. On n'a pas besoin d'écouter ça. Je sais pas vous, mais moi, les pubs, c'est le genre de truc qui me saoule à mort. Surtout quand ils te mettent des pubs qui durent 2 minutes et que tu ne sais pas passer. Voilà, hop. C'est parti. On la met en plein écran et on l'écoute.
Ces systèmes de communication visuelle qui préexistent à l'écriture sont limités à certains domaines. On ne peut pas tout dire avec eux. Ils ont de ce fait reçu le nom de sémiographie restreinte. Et j'ai donc demandé à Pascal Vernus de bien vouloir nous dire ce que l'on entendait par là et de nous expliquer quelle était la spécificité de l'écriture par rapport à ces sémiographies préexistantes. Oui, absolument. Il faut faire un très bref retour en arrière dans l'évolution de la cognition humaine. Très, très brièvement. Qu'est-ce qui se passe? Vers 30 000 avant Jésus-Christ, on arrive à créer des systèmes symboliques qui se marquent par justement des tracés visuels sur un support. C'est par exemple les représentations que vous connaissez tous dans les grottes. Déjà, c'est déjà symbolique. Un bison ne veut pas dire forcément un bison, ça veut dire quelque chose d'autre qu'un bison. Et à côté de ça, à côté de ces représentations tout à fait figuratives, vous avez aussi déjà des jeux de symboles. On ne sait pas les lire, mais on est sûr qu'il s'agit de systèmes symboliques. C'est-à-dire qu'on arrive à communiquer des informations par des marques visuelles. On peut appeler ça des sémiographies. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à partir de 30 000 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, ces sémiographies vont se développer. Surtout ne pas croire qu'il s'agit de choses préhistoriques. Nous vivons dans des sémiographies. Le système numérique, les émojis, les marques, par exemple, pour l'hôtel 3 étoiles, 2 étoiles, etc., j'en finirai pas. Donc, le monde des sémiographies est un monde qui ne fait que se développer. Quel est le statut de l'écriture vis-à-vis de ces sémiographies? Alors là, il faut être libéral. Beaucoup de gens appellent écriture au sens large toutes ces sémiographies. C'est l'usage, il faut le respecter. Mais si on veut être plus précis, être plus concret, il faut absolument constater que l'écriture au sens fort se distingue de ses sémiographies. Comment elle se distingue? Elle se distingue par une propriété absolument extraordinaire. Elle arrive à fixer visuellement les énoncés du langage. Alors vous allez me dire, une image, ça peut aussi fixer des énoncés du langage. Mais non, justement, ça ne les fixe pas. Vous prenez une image, vous pouvez la traduire de 100 manières différentes. L'écriture au sens fort du terme, c'est d'arriver avec des signes à avoir une relation étroite avec un énoncé précis. Vous voyez bien la différence. Et c'est quelque chose de prodigieux, parce que le langage est quelque chose de prodigieux. Quelle est l'essence du langage? Le tour de force. Le tour de force du langage, c'est de pouvoir dire l'infinité des énoncés humains avec un nombre fini de signes. Et la finitude, c'était un critère absolument essentiel, parce que si le nombre de signes était infini, on ne pourrait pas communiquer. Et l'écriture, c'est justement d'arriver à prendre en charge cette propriété du langage et de la représenter visuellement. Est-ce que je suis clair là-dessus? Voilà, moi j'aimais assez bien son intervention. Je trouvais vraiment que c'était hyper intéressant. Alors je vais de nouveau retirer ça, repasser à côté, voilà, repasser ici, et voilà, c'est un peu chiant à faire à chaque fois, mais bon, c'est le live, c'est comme ça le direct. J'ai bien aimé son intervention, c'était assez clair, ouais, pour moi c'est un des intervenants les plus clairs avec Stéphane Polis. En fait ils ont tous été clairs, généralement, à part le dernier qui lisait un peu trop son prompteur, et du coup qui avait une... manière de parler un peu saccadée, mais autrement, généralement, ils étaient assez clairs. Ça, c'est assez bien, ouais. J'aime assez bien. Bien, bien. Alors, capsule 3. Peut-on toujours croire aujourd'hui à la thèse finaliste qui voudrait que l'écriture ait été inventée pour les besoins de l'administration et de la bureaucratie? Aussi, un truc pour revenir sur la capsule 2 et ce que disait Monsieur Vernus, c'est ça? C'est Vernus, oui. Sur, justement... les symboles, etc. Je ne me souviens plus de tous les termes exacts, hein. Je me souviens de ce qu'il a expliqué de manière très globale, et je trouve que c'était vraiment très intéressant de voir que justement les représentations qu'on pourrait associer à des représentations plutôt préhistoriques, bon, en fait, on voit que tout ça justement a évolué au fil des siècles, et qu'on est encore en plein dedans finalement avec les emojis, les étoiles, etc. Et donc, ouais, c'est intéressant, je trouve. C'est une perspective intéressante.
On va pouvoir passer à la capsule 3, c'est parti. J'espère qu'on n'aura pas encore une pub. L'amour. Mais si, bien sûr, évidemment. Désolé si je râle un peu, mais vraiment, les pubs, c'est le truc qui me gonfle à mort. Voilà, on va pouvoir regarder. C'est parti, on y va. Rebondissant sur l'observation de Pascal Vernus, qui nous disait que les sémiographies restreintes sont partout, j'ai adressé à Andreas Stauder la question suivante. Pourquoi l'écriture plutôt que rien? Après tout, de nombreuses civilisations ont existé sans avoir besoin de recourir à l'écrit. Et plus précisément, peut-on toujours croire aujourd'hui à la thèse finaliste qui voudrait que l'écriture ait été inventée pour les besoins de l'administration et de la bureaucratie, et donc a été inventé dans un but pratique particulier? Ou bien, est-ce que des processus plus complexes sont en jeu? Oui, on réalise en effet que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus divers aussi. C'est-à-dire, pour revenir en arrière, ce qu'on a pu croire pendant un temps, c'est ce qu'on peut appeler des thèses finalistes ou déterministes, à savoir, ou même solutionnistes, le terme a été employé, on invente l'écriture pour résoudre un problème. Ça soulève en soi des questions, parce qu'il faudrait déjà que le problème soit clairement défini, et ainsi de suite. Mais passons là-dessus. Simplement, à un niveau historique et empirique, on constate que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, en Mésopotamie méridionale, à la fin du 4e millénaire, la toute première écriture est fondamentalement un système comptable extraordinairement développé. C'est faux presque partout ailleurs. En Égypte, l'écriture naît avant l'administration. Dans le monde des Andes, voilà, les Incas, on a une administration, mais sans écriture. Dans le monde chinois, l'écriture naît, pour autant qu'on puisse le voir dans la documentation, en relation à des techniques de divination. Donc ce genre de déterminisme, en fait, ne peut être maintenu, disons, à un niveau de ce qu'on constate empiriquement, simplement. J'ajouterais que c'est beaucoup plus beau si les choses ne sont pas déterministes, parce qu'elles rendent hommage à l'ingéniosité humaine. Donc voilà, ici c'était de nouveau, il a répondu à la question, et c'était bien ce que j'imaginais. Ça m'aurait vraiment étonné que ce soit l'inverse. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de mettre tout le temps en plein écran, parce qu'autrement, ça gâche un peu l'expérience. Alors, question 4 pour la capsule. Oui. Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer l'apparition de l'écriture dans le cadre socio-culturel particulier de l'Égypte? C'est parti, on ouvre la 4, on va encore avoir une pub, on va la couper. On peut la passer heureusement parce qu'on est encore sur 27, sur 30 secondes quoi. Hop, voilà, et c'est parti, parfait, on y va. En nous recentrant sur l'Égypte, j'ai alors demandé à Pascal Vernus si l'on pouvait identifier une ou plusieurs raisons qui pourraient expliquer l'apparition de l'écriture dans ce cadre socioculturel très particulier. Alors pour l'Égypte ancienne, je crois qu'on peut répondre. L'Égypte ancienne, les gens en place, le pouvoir en place, a besoin de se justifier. De se justifier dans la mémoire collective et de se justifier par rapport aux croyances de l'au-delà. Et pour se justifier, pour s'affirmer, il faut s'exprimer. Alors on peut s'exprimer à travers des images. Et on voit effectivement que les objets de plus en plus raffinés, avec des jeux iconographiques de plus en plus raffinés, permettent au pouvoir en place ou aux membres de l'élite qui partagent le pouvoir en place d'exprimer leur domination. Mais il y a une sorte de surenchère. On va de raffinement en raffinement. Et au fur et à mesure que l'on raffine, on arrive à se dire, mais finalement, si j'arrive à encoder un nom propre, visuellement, si j'arrive à encoder le nom d'une peuplade étrangère visuellement, mon expression va être encore plus forte que la simple iconographie.
Et à mon avis, en Égypte, c'est ce qui se passe. On a l'impression que l'écriture est un luxe sémiotique. C'est-à-dire qu'il y a une sémiologie sur les objets de plus en plus raffinée et que le comble du raffinement, c'est d'arriver à l'écriture, c'est-à-dire à mettre du phonétique visuellement. Voilà, à chaque fois je coupe mon micro pour ne pas que vous ayez éventuellement les bruits de la route ou quoi. Donc ça c'était très intéressant aussi à entendre. Donc le principe de la surenchère et puis de pouvoir justement pouvoir inscrire son nom et être clairement identifié. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Monsieur Vernus doit être un homme très intéressant, très agréable à écouter. J'aime assez bien l'écouter. Ah, pas de pub, magnifique. Ouais, ça, c'est... Désolé. Il y a un gros bug. Voilà, bon, allez, on y va, c'est parti. L'écriture serait donc, en Égypte, le comble du raffinement sémiotique, suivant un processus d'intensification de la culture visuelle qui conduit progressivement à l'écriture. J'ai demandé à Andreas Stauder de revenir sur ce point et de nous préciser combien de temps il faut pour arriver à une écriture au sens commun et plein du terme. En ce qui concerne ce raffinement sémiotique, c'est vraiment la clé de l'affaire en Égypte. C'est comme si on avait presque littéralement une intensification d'une culture visuelle. Et là, il y a un point qu'il faut peut-être souligner, particulièrement par rapport aux étudiants. On a tendance peut-être à opposer écriture et culture visuelle. Alors qu'en Égypte, c'est à l'interne même de la culture visuelle, par intensification de celle-ci, que l'écriture émerge. Donc ça, c'est vraiment très important. Peut-être pour reprendre la question initiale aussi, là on est dans des formes, des toutes premières formes d'écriture, également dans les autres aires culturelles auxquelles nous avons fait allusion. Et ensuite, ces formes évoluent à travers les siècles et les millénaires qui suivent, en général assez lentement, dans un premier temps, par adaptation successive et par élargissement de leur champ d'application, on peut dire. À partir d'un champ d'application extrêmement restreint vers des champs d'application plus larges, parce que les gens, voilà, en jouant avec l'objet qu'ils ont entre les mains, réalisent, voilà, on pourrait faire ça aussi, on pourrait encore faire ça, et ainsi de suite. Et quel que soit le point de départ, qui est en général très spécifique, et en Égypte, vraiment cette intensification d'une culture visuelle, eh bien, par élargissement successif, on arrive à un phénomène de convergence entre les diverses écritures. Et en général, environ un millénaire après leur début, qui sont toujours particuliers, spécifique et on peut même dire idiosyncrasique, il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent, eh bien, au bout d'un millénaire, on a des objets qui sont assez semblables les uns aux autres, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle écriture au sens commun du terme. Alors, une petite précision, l'écriture pendant très longtemps en Égypte va se limiter à ce qu'on appelle des énoncés-titres. Alors, il n'y a rien de trop technique, c'est facile à comprendre. Un énoncé-titre, c'est un énoncé qui n'a pas de relation prédicative. Le titre d'un livre, par exemple, aujourd'hui, une étiquette, et c'est quelque chose qui a besoin de l'objet sur lequel il est inscrit pour avoir un sens, alors qu'une relation prédicative peut fonctionner en dehors de tout support. Et ce qu'il y a de frappant dans l'Égypte ancienne, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs, c'est que de 3150 premières écritures vraiment sûres jusqu'à 2700 avant Jésus-Christ, on n'a que des énoncés-titres. On utilise l'écriture uniquement pour dire « il s'appelle le vizir un tel, c'est la peuplade qui s'appelle comme ça, c'est le pharaon qui porte ce nom ». On se limite à ça, c'est absolument fascinant parce que l'écriture est inventée avec tous ses raffinements. On a les déterminatifs, on a ce qu'on appelle les phonogrammes, on a des idéogrammes, mais malgré tout, on maîtrise totalement l'arsenal nécessaire, mais on reste limité pendant presque 4 siècles au minimum, 4 siècles, on reste limité. Puis d'un seul coup, à partir du roi de Djéser, tout le monde connaît la pyramide à degrés de Djéser, disons grosso modo, l'époque de Djéser, grosso modo, parce qu'on peut discuter sur les marges. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va voir, comme vous l'avez très bien décrit, le processus d'extension de l'écriture. On va s'en servir de plus en plus pour des choses de plus en plus diverses.
Et par rapport à ça, peut-être je rebondis encore, en Mésopotamie, c'est intéressant d'observer qu'il faut également environ 4 à 5 siècles avant d'avoir la première phrase prédicative complète. Donc ce n'est pas seulement en Égypte. Et en Égypte, effectivement, ils auraient été capables techniquement de le faire dès le début. D'ailleurs, ils le font en fait, puisqu'il y a des noms qui sont des phrases. Les noms, c'est des phrases. Et quand ils écrivent les noms, ils écrivent des phrases, mais parce que ce sont des noms. Voilà. Et peut-être encore une dernière chose par rapport à ça. Donc il faut 400 à 500 ans pour arriver à des phrases. Mais il faut encore environ 400 ans de plus pour arriver à ce qu'on appelle la communication asynchrone. Voilà. Alors ça, c'est un grand mot, mais l'idée est très simple. Nous, aujourd'hui, associons l'écriture avec le fait, par exemple, d'écrire une lettre pour communiquer à travers la distance temporelle et spatiale. Eh bien ça, c'est un développement absolument secondaire, ça prend presque un millénaire, et il y a une raison à ça, c'est que quand l'écriture se développe, eh bien elle génère ses propres sphères d'activité, elle n'est pas en train de répliquer celles qui existent déjà dans l'oral et qui continuent de fonctionner essentiellement comme elles fonctionnaient. Voilà, oui, c'était intéressant aussi. Alors, en effet, oui, et je trouve que c'est assez, pour rebondir donc justement sur cette capsule, je trouve que c'est assez incroyable de voir, comme l'explique Monsieur Vernus, de voir qu'ils sont restés pendant aussi longtemps à se limiter à des noms de choses, de personnes, alors qu'ils avaient tant de possibilités d'écrire des choses bien plus... détaillé et complexe, comme il l'explique, pendant près de 400 ans, donc c'est assez, assez étonnant, et puis alors il y a eu le boom ensuite, mais donc c'est intéressant à observer, en effet. Combien de temps il faut pour arriver à l'écriture au sens commun du terme? Ça c'est le 5. Pub ou pas pub, on va voir. Une pub évidemment. Heureusement qu'on sait encore les passer. Voilà, c'est parti. L'écriture serait donc, en Égypte, le comble du raffinement sémiotique, suivant un processus d'intensification de la culture visuelle qui conduit progressivement à l'écriture. J'ai demandé à Andreas Stauder de revenir sur ce point et de nous préciser combien de temps il faut pour arriver à une écriture au sens commun et plein du terme. En ce qui concerne ce raffinement sémiotique, c'est vraiment la clé de l'affaire en Égypte. C'est comme si on avait presque littéralement une intensification d'une culture visuelle. Et là, il y a un point qu'il faut peut-être souligner, particulièrement par rapport aux étudiants. On a tendance peut-être à opposer écriture et culture visuelle. Alors qu'en Égypte, c'est à l'interne même de la culture visuelle, par intensification de celle-ci, que l'écriture émerge. Donc ça, c'est vraiment très important. Peut-être pour reprendre la question initiale aussi, là on est dans des formes, des toutes premières formes d'écriture, également dans les autres aires culturelles auxquelles nous avons fait allusion. Et ensuite ces formes évoluent à travers les siècles et les millénaires qui suivent, en général assez lentement, dans un premier temps, par adaptation successive et par élargissement de leur champ d'application, on peut dire. À partir d'un champ d'application extrêmement restreint vers des champs d'application plus larges, parce que les gens, voilà, en jouant avec l'objet qu'ils ont entre les mains, réalisent, voilà, on pourrait faire ça aussi, on pourrait encore faire ça, et ainsi de suite. Et quel que soit le point de départ, qui est en général très spécifique, et en Égypte, vraiment cette intensification d'une culture visuelle, eh bien, par élargissement successif, on arrive à un phénomène de convergence entre les diverses écritures. Et en général, environ un millénaire après leur début, qui sont toujours particuliers, spécifique et on peut même dire idiosyncrasique, il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent, eh bien, au bout d'un millénaire, on a des objets qui sont assez semblables les uns aux autres, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle écriture au sens commun du terme. Alors, une petite précision, l'écriture pendant très longtemps en Égypte va se limiter à ce qu'on appelle des énoncés-titres. Alors il n'y a rien de trop technique, c'est facile à comprendre. Un énoncé-titre, c'est un énoncé... Je pense avoir relancé la même capsule en fait. Bon ben, excusez-moi dans ce cas. En fait, j'ai pas fait attention. Hop. Ah oui, c'est ça, en effet. Ben, désolé, ce n'est pas grave. On revient en arrière.
Quels sont les contenus typiques des premières inscriptions hiéroglyphiques et des objets sur lesquels on les trouve? Voilà, c'est parti. Pour vendre. Les deux intervenants ayant introduit le concept d'énoncé-titre, il m'a alors paru important de leur demander de vous décrire brièvement le contenu typique des premières inscriptions hiéroglyphiques et de vous parler des objets sur lesquels on les trouve en partant des premières manifestations réellement assurées. Ben, la première manifestation vraiment assurée, parce qu'où il y a du phonétisme, c'est un vase d'un roi dont on ne sait pas lire le nom, hein, on l'appelle Sérène, mais on n'est pas sûr. Mais sur ce vase, il y a une mention tout à fait claire et absolument indiscutable, hip, ça veut dire comptabilité du sud. On a le mot sud et le mot comptabilité écrit phonétiquement, c'est ça qui est intéressant. Là, il ne s'agit pas d'une invention, il ne s'agit pas d'une spéculation, c'est absolument assuré que là, nous avons la première assurance de l'écriture au sens vraiment propre. Ensuite, ce sont des étiquettes, des noms de vases, ou alors des noms sur des vases, sur des objets, ou alors des noms sur des objets très idéologiques, par exemple, une représentation sur deux versants d'une palette, avec à la fin une représentation de d'arbres, et puis d'un seul coup, on voit que ces arbres sont... Et à la fin du mot arbre, il y a écrit le mot libyen, donc pour nous dire que tout ça, ces arbres-là viennent de Libye. Donc on voit que c'est une espèce... J'appellerais ça un bourgeonnement. On a l'impression que les premières manifestations de l'écriture, ce sont des bourgeonnements au bout d'un arbre, ou un bourgeonnement à l'intérieur, par exemple, de la représentation de la façade du palais. Vous voyez, j'ai l'impression que ça se passe un peu comme ça. Après, à la première dynastie, vous, ça, vous connaissez bien, ça va devenir un peu plus compliqué. On va jouer sur ce qu'on appelle l'utilisation du multimodal, ou du bimodal, vous pouvez en parler. Oui, mais peut-être d'abord sur la matérialité encore. Dans ce bourgeonnement, par exemple sur les palettes, on voit vraiment des signes d'écriture qui dénotent des noms, des syntagmes isolés, surtout des noms, dans un cadre iconographique. En fait, il y a trois modalités réellement. Il y a une modalité visuelle qui est iconographique, voilà, donc de la représentation qui est dominante. Ensuite, on a toute une série d'emblèmes. Et en plus de ça, il y a presque timidement au début des signes d'écriture qui apparaissent. Donc quand on disait tout à l'heure que l'écriture émerge par intensification d'un langage visuel, c'est non seulement vrai en général, mais là c'est vrai littéralement. On voit les signes d'écriture apparaître au sein de ces artefacts visuels. Je vous conseille... Oui, encore une chose, c'est peut-être intéressant de parler des trajectoires matérielles, parce que ces vases auxquels vous faisiez allusion, Sérène, voilà, avec hip chez Mao, c'est clairement de l'écriture, c'est clairement phonétique, c'est même phonétique à un niveau systémique. Donc on pourrait détailler ça techniquement, c'est indubitable, c'est spectaculaire. Eh bien, ces vases, en l'occurrence, c'est des vases un peu torsadés comme ça, qui contenaient des huiles précieuses, des matières grasses. Eh bien, ces vases existaient antérieurement. Ils existaient un siècle auparavant dans la fameuse tombe Uji. Ils existaient même encore 50 ans plus tôt dans le même cimetière à Abydos. Et ils portaient déjà des signes, mais des signes qui étaient des signes emblématiques, qui n'étaient pas de l'écriture, c'est vraiment des emblèmes. Imaginez des emblèmes comme des drapeaux, comme de l'héraldique. Donc on a une continuité de pratiques matérielles dans laquelle s'insère cette innovation fondamentale qu'est l'écriture. Il faut voir la dialectique entre d'une part la continuité au niveau des pratiques matérielles et d'autre part une forme de discontinuité qu'implique l'invention de l'écriture. J'ai donné pour ça l'exemple des vases, mais il y a d'autres exemples. Prenez l'art rupestre, l'art entre guillemets, les inscriptions rupestres. Il y a des inscriptions rupestres environ 100 ans avant l'écriture, ce ne sont que des emblèmes avec des compositions iconographiques. Et 100 ans plus tard, sur le même type de support, on commence à avoir des signes d'écriture. Très bien, je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce qui a été dit. Je pense que vu que ça va quand même assez bas par moment, qu'on ne les entend pas hyper bien, je mettrai les liens en description vers les capsules en question, comme ça éventuellement vous pouvez sauter d'un à l'autre plus facilement et être sûr de bien tout comprendre. Alors, quelles sont les voies empruntées par les scribes qui découvrent l'écriture?
Ok, on y va, c'est parti. Une autre question passionnante est celle de l'agentivité. Certains spécialistes des origines de l'écriture pensent qu'elle a été inventée, au sens fort du terme, par un individu ou un petit groupe de personnes. D'autres, en revanche, estiment qu'il s'agit plutôt de ce qu'on pourrait qualifier d'épiphénomène. On découvrirait toutes les potentialités de l'écriture progressivement, mais en cherchant initialement à faire autre chose que noter la langue et toute la langue. J'ai donc demandé à Pascal Vernus s'il pouvait préciser la manière dont il pense que les choses se sont passées en Égypte spécifiquement. Moi, je pense qu'il s'agit d'une condensation de la culture de l'élite. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Dans la culture de l'élite, on a de plus en plus toujours ce stimulus qui est la recherche pathétique d'efficacité. On essaye toujours de plus en plus à l'efficacité. Et alors, on se rend compte d'une chose. Pour écrire des énoncés, on a deux grands moyens. On peut représenter un mot par une image. C'est ce qu'on appelle le logogramme ou l'idéogramme. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on s'aperçoit que ça a des limites. Ça a des limites évidentes, même pour un Égyptien. S'il veut écrire, par exemple, que le poisson Maleptirus est dangereux, et dangereux, c'est difficile à écrire par une image. Donc, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'on peut utiliser l'image, mais en allant au-delà de sa littéralité, par ce qu'on appelle le rébus. C'est-à-dire qu'on prend une image non pas pour ce qu'elle signifie littéralement, mais pour le son qui lui est associé dans la langue. Vous voyez, pour dire douloureux, par exemple, on va prendre un idéogramme qui représente un poinçon. Le poinçon en lui-même, c'est l'idéogramme du poinçon. Mais métaphoriquement, on va l'utiliser non pas pour dire le poinçon, mais pour dire le son égyptien qui écrivait le mot poinçon. Et on va dire douloureux, ça se dit mer, et je vais utiliser le poinçon pour dire mer douloureux. Vous voyez, c'est les deux. Et je pense que c'est la réflexion sur ces deux principes possibles qui a permis peu à peu à l'écriture de se constituer. Voilà, très bien. Bien. Nous allons continuer vers la 8 alors. Parce que de nouveau, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Quel est le contexte d'action des personnes qui ont inventé l'écriture en Égypte? Alors, je me rends compte que les questions sont maintenant dans la capsule, donc je n'ai pas besoin de tout le temps remonter. Donc, quel est le contexte d'action des personnes qui ont inventé l'écriture en Égypte? C'est parti. Andreas Stauder a ensuite rebondi sur l'intervention de Pascal Vernus en précisant le contexte d'action des personnes qui ont inventé l'écriture en Égypte. C'est que les acteurs agissent toujours dans un horizon, c'est-à-dire dans un contexte d'action qui est signifiant pour eux. C'est presque une proposition tautologique, mais ça veut dire que si on se place en 3150 avant notre ère, quelque part en Haute-Égypte, très proche du roi, puisque ça c'est notre contexte principal ici, le contexte d'action, c'est pas d'inventer l'écriture, ça n'a aucun sens. Le contexte d'action, c'est effectivement cette culture visuelle déjà extraordinairement raffinée, exclusive, de la rendre encore plus raffinée et encore plus exclusive, parce qu'il y a un enjeu de pouvoir réel. Et là, je ne réduis pas le génie des acteurs anciens. Leur ingénuité, leur créativité, elle est extraordinaire. Simplement, elle réside à un autre niveau que celui que nous, occidentaux, voulons projeter sur eux rétrospectivement et anachroniquement. Et j'ajouterais que ça, ce n'est pas le début de l'histoire, parce que un siècle auparavant, quand ils perfectionnent leur langage d'emblème qu'ils mettent déjà sur les vases ou sur les petites étiquettes, c'est déjà extraordinairement inventif. Et quatre siècles plus tard, quand ils notent la première phrase, bon, techniquement, ils auraient pu le faire bien plus tôt, mais le fait même de le faire, ça implique,
ça implique une créativité par rapport aux fonctions de l'écriture. C'est créatif. Donc il y a en fait une créativité continue sur des siècles et des siècles. Et ce que nous on appelle l'invention de l'écriture, il y a évidemment des moments distingués, mais c'est fondamentalement la somme de ce processus avec, vous voyez, on peut dire une créativité distribuée. Ok, d'accord. De nouveau, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qui est dit. Quels sont les grands foyers d'invention de l'écriture et quelle place occupe l'Égypte parmi ces derniers? Ok, dernière capsule. Enfin, je ne pouvais pas prendre congé de mes invités sans avoir remis les choses dans un contexte plus large. J'ai donc demandé à Pascal Vernus de nous préciser quels étaient les grands foyers d'invention de l'écriture et quelle place occupe l'Égypte et l'écriture hiéroglyphique parmi ces derniers. Alors, premier foyer, la Chine. On va aller d'est en ouest. Premier foyer, la Chine, 1300 avant Jésus-Christ. Deuxième foyer, la vallée de l'Indus et la civilisation arapéenne, disons 2500 avant Jésus-Christ. Troisième foyer, l'Élam. Alors attention, l'Élam, il y a deux écritures dans l'Élam. Je parle de l'écriture proto-élamique, 3300-3000 avant Jésus-Christ. Et ensuite, le foyer suivant, c'est bien entendu la Mésopotamie, qui se situe 3400-3000 avant Jésus-Christ. Vous avez l'écriture hiéroglyphique hittite, qui est une invention spécifique, mais qui a cette particularité d'exister dans un contexte où d'autres systèmes existaient. Alors l'écriture hiéroglyphique hittite, c'est vers 1500 avant Jésus-Christ. Ensuite, vous avez l'Égypte, et ensuite, le avant-dernier foyer, c'est la Crète. Quand je dis la Crète, je ne parle pas du mycénien. Le mycénien, ce n'est pas une écriture originale. Elle se sert d'écritures préalables qu'on appelle les écritures minoennes. Il y a plusieurs systèmes d'écriture, mais on ne sait pas les lire, mais on est sûr que c'est des systèmes d'écriture. Et enfin, le dernier foyer, la Mésoamérique. Alors là, c'est une floraison d'écritures différentes. On est sûr que l'écriture apparaît au moins 700 avant Jésus-Christ, avec les Olmèques et certains. Donc, au moins 700 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ce qu'il y a de frappant quand on met ça sur une carte, c'est qu'ils se situent tous sur une même bande géographique, pratiquement. Alors maintenant, pour l'histoire de l'originalité de l'écriture hiéroglyphique, vous laisse la parole. Oui, parce qu'il y a, donc là, c'est clair, il y a des foyers indépendants, donc il n'y a pas monogénèse. Au sens génétique du terme, c'est indépendant. Non, il y a un deuxième point sur lequel il faut insister et qui a trait également à l'histoire passée de nos disciplines, à savoir l'évolutionnisme. On a longtemps pensé que ces écritures naissaient dans des contextes globalement comparables et suivaient des chemins de développement, des trajectoires globalement comparables. En gros, qu'il y avait une voie royale vers l'écriture. Donc dans un contexte évolutionniste, voilà, c'est lié à des paradigmes en anthropologie aussi. Et ça, c'est également faux. Ce qu'on constate aujourd'hui en regardant vraiment dans le détail les choses, c'est que non seulement ces foyers sont indépendants, mais les trajectoires sont substantiellement différentes. C'est très important. Alors, on ne va pas prendre les 8, ça serait trop long, mais simplement quelques-unes. Donc en Égypte, on l'a dit, c'est fondamentalement une culture visuelle qui devient de plus en plus exclusive, qui est attachée à un pouvoir royal qui se constitue et qui est intensifié. Et au prix de cette intensification, on aboutit, sophistication extrême, vers une première écriture. En Mésopotamie, ça n'a rien à voir. En Mésopotamie, c'est également une extrême sophistication, mais d'un système comptable, dont, avec des trajectoires matérielles différentes, pour le dire en un mot, non pas dans l'ivoire, mais dans l'argile. Dans la civilisation de l'Indus, je connais mal, mais il y a des relations avec toute une tradition de marques de potiers qui remontent à la fin du 4e millénaire. Et alors en Mésoamérique, où il y a effectivement tous ces foyers différents, outre les Olmèques, notamment les Apothèques, qui sont très anciens, il y a une base calendérique qui est très importante. Voilà, donc on a ces trajectoires qui sont extrêmement différentes et c'est ça, je crois, qui rend la chose véritablement passionnante. À la différence des récits qui étaient encore en vigueur il y a 20, même il y a 10 ans, comme quoi la voie royale, c'est la complexification de l'État, c'est l'administration, à un moment donné, il faut l'écriture. C'est empiriquement faux. Et d'ailleurs, la complexification de l'État, l'urbanisation, l'écriture, toutes ces choses qui forment un espèce de paquet civilisationnel dans le grand récit civilisationnel qui nous sert un peu de généalogie rassurante par rapport à notre
propre modernité inquiète, eh bien, tout ce paquet est également à détricoter, parce qu'il n'y a pas une voie vers l'urbanisme, il n'y a pas une voie vers la complexité sociale, et il n'y a pas une voie vers l'écriture. Voilà, donc on aboutit à un tableau beaucoup plus riche, beaucoup plus divers, et qui fait plus honneur, disons, dans un esprit humaniste à la diversité d'expériences humaines. Alors, je dirais le mot, c'est un mot difficile, mais qui est très important, il n'y a pas de téléologie de l'écriture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a un premier stade, il y aurait des images, et puis ensuite il y aurait l'écriture. Ce n'est pas ça du tout. On a l'impression que l'écriture naît ou ne naît pas dans des conditions qui sont les mêmes. Il faut avoir les mêmes conditions et pas d'écriture. On a l'impression que les stimulus précis sont très différents et nous échappent. Il ne faut pas avoir de vue hiérarchique, il n'y a pas de hiérarchie. Ce n'est pas parce qu'une civilisation a une écriture qu'elle est supérieure à l'autre, ça, j'insiste bien là-dessus. Hein. Mais en revanche, il ne faut pas non plus essayer de noyer la spécificité de l'écriture, parce que par peur d'introduire des hiérarchies, certaines écoles anthropologiques viennent à nier la spécificité de l'écriture. Or, l'écriture au sens fort, c'est quand même quelque chose qui est un saut dans la cognition humaine. Ça, on ne peut pas y refuser. Donc, vous voyez les deux démons entre lesquels il faut passer. D'une part, la conception téléologique et évolutionniste, avec des stades, et d'autre part, la conception hiérarchique. Ah ah, on a des écritures, donc nous sommes une civilisation, et vous qui n'en avez pas, vous n'en êtes pas. Il faut, c'est les deux écueils, c'est Charybde et Scylla, et il faut passer entre les deux. Voilà, donc ici, oui, c'était intéressant aussi à écouter, que ben, finalement, il n'y a pas... un modèle unique qui se reproduirait de civilisation en civilisation et que donc il n'y a pas de théologie de l'écriture comme il l'explique. C'est intéressant à entendre. En effet, très bien. Donc ici c'était pas mal de petites capsules. Donc comme j'ai dit, je vais sûrement vous remettre les liens en description pour que vous puissiez les écouter en parallèle de la rediffusion du live. Au cas où ce ne serait pas suffisamment audible dans ma rediffusion, vu que moi j'ai dû mettre le son vraiment plus fort ici sur mon clavier. Voilà, hop. Alors, on va passer à la dernière partie du module. Évolution du système hiéroglyphique jusqu'à l'époque gréco-romaine. Ça promet d'être très intéressant aussi. Et c'est parti, on l'écoute. Théoriquement, le nombre de graphies possibles pour chaque mot égyptien est très large. Cette flexibilité du système hiéroglyphique découle principalement de trois facteurs scripturaux. Le répertoire ouvert des hiéroglyphes, leur caractère figuratif et les multiples possibilités orthographiques sur lesquelles nous reviendrons plus loin. On pourrait ainsi, par exemple, s'imaginer toutes les graphies que vous voyez ici, pour encoder les trois consonnes acheron, P et R du verbe cheper, apparaître. Et elles sont en effet toutes attestées dans la première phase du système hiéroglyphique. Mais le système hiéroglyphique tend à développer des conventions orthographiques au fil du temps, ce qui fait que le scarabée et la bouche, son complément phonétique R, deviennent la manière standard d'écrire cheper, apparaître, avec, bien sûr, occasionnellement des variantes mineures. Dans le même temps, la prononciation du mot jadis « chapar » évoluera et deviendra « chope ». Pourtant, ça ne se voit pas dans l'écriture avant le premier millénaire avant Jésus-Christ, époque durant laquelle les conventions en matière d'orthographe se sont progressivement assouplies. Les changements qu'on observe au sein du système hiéroglyphique se sont ainsi progressivement accumulés et sont devenus à un point si nombreux et si important qu'un découpage terminologique s'est imposé aux égyptologues qui parlent alors du ptolémaïque pour caractériser l'emploi de l'écriture hiéroglyphique durant la période qui va du 3e siècle avant notre ère à la disparition de l'écriture hiéroglyphique au 3e siècle de notre ère. C'est à ce moment-là, en effet, que des souverains d'origine macédonienne, de l'Agide ou Ptolémée,
et ensuite l'Empire romain régnait sur les pays du Nil. À cette époque, l'écriture utilisée dans tous les domaines de la vie était le démotique, puis le grec. Vu la différence importante entre l'écriture démotique et l'écriture hiéroglyphique, l'usage de cette dernière était devenu une occupation des spécialistes, encore bien plus que dans les autres phases de l'écriture égyptienne. En outre, la plupart des textes hiéroglyphiques étaient rédigés dans une langue morte, en égyptien de tradition, langue que seulement un cercle de philologues expérimentés et très limités maîtrisaient. Comme dans les époques antérieures, ces experts, les hiérogrammatèses, consultaient et collationnaient, compilaient et copiaient des textes anciens. Dans les archives de l'époque, on a même retrouvé des manuscrits qui témoignent directement de cette pratique philologique. Par exemple, deux papyrus de la bibliothèque du temple de Tétunis dans le Fayoum contiennent des copies, ou plutôt des copies, d'inscriptions de tombes d'Assiout. Fait intéressant, ces textes hiéroglyphiques remontent à la première période intermédiaire, à peu près 2000 ans avant cette copie sur papyrus que nous avons conservée. Résultat des efforts philologiques de la période gréco-romaine, des manuels en écriture hiératique ou démotique qui rassemblent un savoir véritablement encyclopédique sur tous les aspects de la culture pharaonique, souvent sous forme de listes. Pour notre propos, on citera seulement le papyrus Carlsberg 7, qui contient une liste de signes avec leur explication religieuse. Autre résultat de cette pratique, pour nous heureux, on se servait de ces précieux manuscrits pour la décoration textuelle des temples contemporains, qui étaient conceptualisés comme des images condensées du monde et dont la décoration était organisée selon ce qu'on appelle aujourd'hui une grammaire du temple. Les vastes inscriptions de temples d'Atribis, d'Ondera, Esna, Edfou, Komombo et Philae, pour ne mentionner que le temple le mieux conservé, sont en la matière les documents les plus importants de l'écriture ptolémaïque. Mais le même système se déploie aussi dans les autres textes de l'époque, par exemple dans les inscriptions sur les statues, stèles, cercueils ou même manuscrits des papyrus. Le plus connu de ces documents est sûrement la pierre de Rosette dont nous vous avons déjà parlé. Elle contient un décret sur les décisions d'un synode de prêtres égyptiens sous Ptolémée V. On ne peut comprendre l'écriture ptolémaïque que dans le contexte culturel que je viens d'expliquer. En effet, la marginalisation sociologique de l'écriture hiéroglyphique, l'intense pratique philologique contemporaine et le fait que l'écriture hiéroglyphique s'était développée originellement pour un stade de langue avec une phonologie fort différente ont eu des conséquences importantes sur le fonctionnement concret du système. Commençons par le niveau du signe individuel. À cette époque, le degré de polyfonctionnalité des hiéroglyphes, c'est-à-dire le nombre de valeurs que chaque hiéroglyphe peut avoir, donc le degré de polyfonctionnalité augmente considérablement au point qu'un seul signe peut noter jusqu'à 20 séquences de sons différentes. Prenons le signe du scarabée évoqué plus haut. À côté de sa valeur traditionnelle hyper, le développement phonologique du mot hyapar en chopé conduit aux valeurs hyep et shep. Puis, le scarabée prend en outre la valeur ang par rébu, parce que le signe sert comme classificateur de coléoptères, dont le topin ang fait partie. Une autre de ces valeurs, ta, dérive probablement de la naissance mythologique du scarabée de la terre, qui se dit ta en égyptien, et donc d'une association métonymique. Ce mot « terre » était qu'on a lui alors réduit en « t » plus voyelle, d'où vient la valeur monoconsonantique « t ». On appelle cette réduction des biotrilitaires à leur consonne forte, évidemment due à l'évolution phonologique, le principe consonantique. Vous voyez donc que pour les signes du scarabée, on arrive à plus de 6 valeurs différentes, là où une ou deux étaient antérieurement la norme. Et je suis loin de citer toutes les valeurs attestées pour ce signe-là. En plus, la création de nouvelles valeurs peut aussi découler des interactions de normes d'écriture.
Par exemple, le lion, qui se lit normalement roux, prend la valeur phonographique chena parce qu'il est homographe en hiératique de la charrue qui a cette valeur. Notez bien que tous ces principes de dérivation des valeurs sont bien connus depuis la création du système hiéroglyphique et qu'on les emploie aussi dans l'écriture dite énigmatique du Nouvel Empire. Enfin, il ne faut pas oublier de dire ici un mot du principe d'acrophonie, qui consiste en la réduction d'une séquence phonétique à sa première consonne, comme quand on dit « bravo » pour « b » dans l'alphabet phonétique des Hottans. Mais il s'agit d'un phénomène rare qui se limite à certains textes du temple d'Esna et plus précisément au nom des divinités là-bas. En effet, c'est surtout dans ces mots avec une signification mythologique ou religieuse plus profonde que l'on trouve des jeux d'écriture les plus poussés. Dans l'optique de ces graphies théologiques, le nom du dieu Ptah peut par exemple s'écrire avec un bonhomme, H pointu, qui sépare le ciel P de la terre, référence graphique à l'acte démiurgique de ce dieu créateur. Mais la richesse du système hiéroglyphique de l'époque ne s'épuise pas dans l'extension importante de la polyfonctionnalité des signes individuels. Les hiérogrammates mobilisent aussi un fonds d'hiéroglyphes rares et par ailleurs aussi des mots rares qu'on recueillait dans les textes d'époque ancienne. En outre, ils n'ont pas hésité à créer des signes nouveaux, par exemple cette représentation directe de la phrase « pech-ches » étendre la corde au temple d'Edfou, étape importante dans le rituel de la fondation des temples. Le processus de création de signes nouveaux atteint le climax de sa productivité au niveau du groupement de signes. On se compris l'enrichissement des signes existants au moyen d'éléments supplémentaires, comme des couronnes ou des sceptres divers et variés. Ces compositions tirent souvent profit de la figurativité de signes individuels en créant des composés qui comportent un sens métalinguistique donné au sein de leur contexte d'emploi concret. Prenons un exemple de ce phénomène. Cette épithète divine que l'on trouve dans le temple de Komombos se lit « Que vive le dieu bon, inondation de l'Égypte, qui vient en son temps ». Ici, Kemet, Égypte, est écrite avec un signe composé. Le phonogramme Kem inscrit dans son classificateur le signe de la ville égyptienne. Si l'on interprète le cercle comme un canal d'eau, avec des branches stylisées sous forme triangulaire, cette graphie du mot Kemet, Égypte, illustre aussi le phénomène de l'inondation. Et vu que le signe Kem représente une queue de crocodile, on pourrait même y voir une référence à Sobek, un des dieux principaux de Komombo en forme de crocodile. Pour nous résumer, on observe en ptolémaïque des changements à trois niveaux distincts. Primo, l'élargissement important de la polyfonctionnalité des signes individuels et la recherche des signes rares. Secundo, la création des groupements des signes nouveaux qui véhiculent beaucoup plus que le sens linguistique pur et dur, comme on vient de le voir avec l'exemple de Komombo. Et tertio, l'assouplissement radical des conventions d'orthographe plus ou moins strictes qui remontent aux époques anciennes. J'avoue que ce système semble très complexe, au moins à première vue si on l'explique de manière théorique. En pratique, avec des connaissances solides de l'égyptien classique, on s'habituera assez rapidement aux conventions graphiques des textes de l'époque gréco-romaine. En effet, les textes ordinaires ne sont pas plus complexes que ceux de l'époque antérieure. Ils suivent simplement d'autres conventions graphiques auxquelles le débutant doit progressivement s'habituer. Par exemple, dans ces tableaux-ci que l'on trouve au temple de Komombo, vous ne trouverez que deux signes qui s'écartent des normes traditionnelles. Cependant, il faut bien reconnaître que la quantité des textes ornementaux à la lecture difficile augmente aussi drastiquement à cette époque, surtout dans des endroits bien visibles qui recourent à des signes à grande dimension, comme les bandeaux des soubassements et des frises ou alors les bases des colonnes. Dans ces textes-là, on observera aussi très facilement un autre aspect important de la culture hiéroglyphique de l'époque,
c'est-à-dire son régionalisme. En effet, tous les temples disposaient de leur propre école de savants qui développaient des systèmes hiéroglyphiques adaptés à la théologie locale. L'exemple le plus connu en est sûrement deux hymnes écrits entièrement avec des signes de crocodile et bélier dans le temple d'Esna. Il s'adresse à Khnumri, divinité centrale d'Esna qui apparaît dans deux formes animalières principales, c'est-à-dire le bélier et le crocodile. Je vous laisse sur cet exemple, certes un peu extrême, de l'emploi de l'écriture hiéroglyphique. Vous n'y reviendrez vraisemblablement pas avant quelques années d'un patient apprentissage de la lecture des hiéroglyphes, rien ne sert de brûler les étapes, mais retenez qu'il n'est pas de raison de craindre le ptolémaïque. Si elle demande un peu d'assiduité, la lecture de ce texte est véritablement passionnante. Voilà, alors je ne sais pas vous, mais donc j'ai trouvé que c'était vraiment compliqué. Il y avait des parties compréhensibles plutôt facilement, mais il y en a d'autres où ça me paraît vraiment abstrait. Donc on va voir ce qu'on en a compris. Ok. À l'époque gréco-romaine, l'écriture hiéroglyphique était l'écriture de tous les jours, était limitée aux textes sur papyrus, était devenue une occupation de spécialistes, n'était plus utilisée. C'est plutôt de spécialiste, hein, vu que ça va même devenir très compliqué et donc spécialisé. Et ce n'était pas utilisé de tous les jours, vu que justement le démotique a pris le pas. Un signe polyfonctionnel a plusieurs valeurs, une seule valeur, un maximum de 3 valeurs, un maximum de 20 valeurs. Bah, plusieurs valeurs, il n'y a pas de limite. Parce qu'il a montré avec le scarabée qu'il y avait plusieurs valeurs. Plusieurs sons, plusieurs manières de le représenter. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et il a dit qu'il n'avait pas du tout. Qu'il y en avait plein qu'il n'avait pas abordé, apparemment. C'était vraiment pas simple. Les conventions orthographiques se sont durcies à l'époque gréco-romaine. N'ont pas changé à l'époque gréco-romaine. Se sont assouplies à l'époque gréco-romaine. N'était plus de mise à l'époque gréco-romaine. Pour moi, elles se sont durcies, non? Je dirais qu'elles se sont durcies. Ouais. Au contraire, assouplies. Difficile à dire. Non, j'irai durci. Ouais. Les sources les plus importantes de l'écriture ptolémaïque sont les inscriptions des grands temples comme Edfou et Komombo, les inscriptions dans les tombes de l'époque, les archives Teptinis, les décrets synodaux comme la pierre de Rosette. Alors là, je vous avoue que vraiment cette partie-là, j'ai vraiment eu du mal à la suivre. Moi, je dirais Edfou et Komombo parce qu'en fait, c'est deux noms qui sont restés dans mon esprit. Mais vraiment, je choisis au Vogelpick, comme on dit. On va enregistrer, on va vérifier, et on affiche la réponse. Donc ici, pour la quatrième question, vraiment, c'est de la chance. Vraiment, j'ai vraiment eu du mal sur cette séquence-là. Dites-moi un peu, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé, si c'était vraiment clair ou si, au contraire, c'était plus compliqué à comprendre. Comme il explique aussi, c'est quelque chose qui peut paraître très difficile théoriquement, mais qui, avec l'apprentissage, l'assiduité, devient beaucoup plus simple à comprendre. Donc, voilà. C'est aussi à prendre en compte. Vu qu'ici, on découvre le MOOC en direct. Nous ne sommes pas des spécialistes, on apprend en direct. Les sources les plus importantes de l'écriture ptolémaïque sont les inscriptions des grands temples comme Edfou et Komombo. Alors, voilà, justement, ça s'est assoupli. Les conventions orthographiques se sont assouplies à l'époque gréco-romaine. Voilà, là, c'était vraiment l'un ou l'autre.
j'ai pas vraiment d'explication à donner ici. Moi, j'ai l'impression que ça s'était durci, mais c'était plutôt assoupli. Ok. Un signe polyfonctionnel a plusieurs valeurs. Ça, voilà, comme j'avais expliqué avec le scarabée, où il disait qu'il y avait vraiment plusieurs valeurs et qu'il n'avait pas tout donné. Donc voilà. Et alors, à l'époque gréco-romaine, l'écriture hiéroglyphique était devenue une occupation de spécialistes, parce que justement, on passait plus par les domotiques et que bah, c'était un peu mis sur le côté, donc c'était plutôt spécialisé. Alors, il y a le chien qui aboie dehors. Ce n'est pas le mien, mais pour vous dire que si vous avez, si vous entendez du bruit, je m'en excuse. Mais voilà, ce sont les aléas du direct et je ne peux pas les maîtriser. Alors, il nous reste encore un peu de temps pour voir la suite. Je vous avoue que je pensais que la fin du module 3 prendrait moins de temps, mais c'était sans compter sur les petites capsules de la toute fin. Mais ce n'est pas grave, on va continuer ensemble. Voilà. Alors ici, nous allons passer à l'écriture hiératique. Donc, qui est la version plus cursive du hiéroglyphe. Donc là, vraiment, on entre dans le vif du sujet avec le hiératique, le démotique et le copte. Et on commence donc avec le hiératique. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Museo Egizio de Turin pour une capsule dédiée au hiératique. Le lieu est idéal pour évoquer ce sujet, car le Museo Egizio de Turin possède l'une des plus importantes collections d'antiquités égyptiennes au monde, et en particulier une très belle collection de documents inscrits en hiératique du Nouvel Empire. Prenons-en directement un exemple. Vous avez ici le Strike Papyrus, ou Papyrus des Grèves, un document célèbre qui fait référence à ce que l'on considère comme étant l'une des plus anciennes grèves de l'histoire. Il date de l'époque ramesside, vers 1150 avant notre ère, et provient du village de Deir el-Médina, célèbre pour avoir livré une documentation très riche, particulièrement en ce qui concerne les textes hiératiques, qu'ils soient administratifs ou littéraires. On parle quand même de plusieurs milliers d'ostracas et de centaines de rouleaux de papyrus, dont une bonne partie est conservée au Museo Egizio. Sur ce papyrus, vous voyez à quoi ressemble un beau hiératique documentaire de la 20e dynastie, cursif certes, mais régulier avec peu d'abréviations. Le hiératique, cette écriture cursive que l'on appelle aussi tachygraphie de l'écriture hiéroglyphique, apparaît très tôt dans l'histoire égyptienne et elle se développe en norme de l'écrit à proprement parler durant l'Ancien Empire. C'est évidemment attendu. Les signes hiéroglyphiques étant figuratifs et souvent assez détaillés, il est vite devenu nécessaire d'en avoir des versions simplifiées, plus faciles et plus rapides à tracer. Le hiératique est donc le nom que l'on donne à cette forme cursive et manuscrite de l'écriture égyptienne, qui se caractérise par une perte de figurativité par rapport aux hiéroglyphes traditionnels. Cette découverte, on la doit une fois de plus à Jean-François Champollion, même si d'autres, avant lui, en avaient eu l'intuition. En quelque sorte, on peut donc considérer que le hiératique est aux hiéroglyphes ce que notre écriture manuscrite, qu'on appelle parfois attachée, est au texte tapé à l'ordinateur. Le hiératique est fait de pleins et de déliés qui varient en fonction de l'outil d'écriture et du scribe, qui produisent un tracé plus ou moins individualisé que l'on appelle le ductus. Les signes hiératiques, parfois aussi appelés hiératogrammes, sont souvent liés entre eux, on parle alors de ligature, et selon la main du scribe, le texte est plus ou moins difficile à déchiffrer. A l'opposé, les hiéroglyphes, même s'il existe des variantes notables d'un monument à l'autre, sont assez facilement distinguables les uns des autres. Prenons quelques exemples de signes hiéroglyphiques et de leurs équivalents hiératiques. Certains signes sont tout à fait reconnaissables, même dans leur forme cursive. Une jambe qui se lit B, par exemple, a une forme souvent très comparable en hiératique, quoiqu'elle puisse être simplifiée à outrance. Le yod, translittéré I, est assez proche du référent hiéroglyphique, une ligne verticale auquel on ajoute une petite barre oblique ou un point. En revanche, les êtres animés sont plus déroutants au premier abord, car ils peuvent être très stylisés. Ainsi, l'homme assis perd beaucoup en figurativité dans la cursive, au point de pouvoir se résumer à un simple point dans certains cas. Ou l'homme portant la main à la bouche, dont vous avez ici différentes versions de plus en plus simplifiées. On pourrait encore citer d'autres signes très fréquents, comme l'oiseau qui note la lettre Aleph ou le poussin de Kai qui écrit le Waou. Écrits rapidement en cursive, ils sont réduits à quelques traits dans lesquels on peine à reconnaître la silhouette d'origine. On écrit surtout en hiératique sur des supports mobiles, tels que le papyrus, vous en avez des exemples ici,
ou les ostracas, c'est-à-dire des éclats de calcaire ou des tessons de poterie, comme ceux que vous pouvez voir ici. Alors que les hiéroglyphes étaient surtout sculptés ou peints sur des parois monumentales ou des statues. S'il existe bien des textes en hiératique gravés sur pierre, par exemple des graffitis ou certaines stèles tardives, la cursive est d'abord et avant tout écrite à l'encre noire, parfois avec un peu de rouge pour rédiger ce qu'on appelle des rubriques, à l'aide d'un jonc dont l'extrémité a été nettement coupée. En fonction de la nature du texte qui est écrit par le scribe, on distingue traditionnellement deux grands types de hiératiques à partir du Moyen Empire. Ainsi, les textes de la vie quotidienne, dits administratifs ou documentaires, par exemple les reçus ou les commandes, les listes d'absence, les journaux, mais aussi la plupart des lettres, sont souvent écrits dans un hiératique plus rapide, avec des formes moins identifiables, plus abrégées. A l'inverse, les textes dits littéraires, récits narratifs, hymnes royaux ou religieux, enseignements et autres recueils magiques, sont souvent écrits dans un hiératique plus soigné, plus lisible, avec des signes qui peuvent encore être très figuratifs. La cursive adopte donc des formes différentes en fonction de son contexte d'utilisation correspondant à différents registres graphiques. Prenons l'exemple d'un médecin aujourd'hui. Une ordonnance constitue un contexte particulier, un registre graphique, dans lequel l'écriture sera très rapide et à peine lisible, sauf pour le pharmacien. Mais cela ne signifie pas que le même médecin ne peut pas écrire par ailleurs un texte soigné et lisible par n'importe qui. La cursive manuscrite est quelque chose de très personnel. Pour l'Égypte ancienne, on peut presque dire qu'il y a autant de hiératiques qu'il y a de scribes, voire même un peu plus, car un même scribe peut avoir une écriture littéraire et une écriture administrative. C'est aussi le cas pour nous, en fait. On n'écrit pas exactement de la même manière une liste de courses, une dissertation ou une carte postale. Et tout ça sans compter qu'une écriture manuscrite évolue au cours du temps, que l'on soit un scribe égyptien ou un scripteur des temps modernes. Sur plus de 3 millénaires, le hiératique a aussi eu le temps d'évoluer. Les égyptologues sont capables d'attribuer à de grandes périodes les textes hiératiques d'après l'allure générale des signes, bien que l'exercice soit parfois délicat. C'est ce qu'on appelle la paléographie, qui permet aussi d'identifier la main des scribes. J'y reviendrai dans un instant. On utilise de grandes tables paléographiques pour comparer les formes sur différents documents connus et proposer des rapprochements avec des documents bien datés grâce à leur contenu ou leur contexte de découverte. Au cours de la troisième période intermédiaire, le hiératique va finir par être lui-même simplifié, conduisant à l'apparition du hiératique dit anormal, puis à la basse époque du démotique. Le démotique, qui vous sera présenté par Philippe Zayer dans une autre capsule, supplante alors le hiératique pour les textes administratifs et du quotidien. Mais l'ancienne cursive est toujours utilisée pour des textes sacrés sur papyrus, ce qui lui vaut d'ailleurs son nom actuel, et on continuera de l'employer pour ce genre de texte jusqu'à l'époque romaine et la disparition de l'écriture hiéroglyphique. De nos jours, il faut savoir que les égyptologues apprennent d'abord les hiéroglyphes sous leur forme monumentale, et c'est seulement dans un deuxième temps qu'ils vont être formés à la lecture du hiératique. Dans l'Égypte ancienne, en revanche, les scribes apprenaient d'abord le hiératique, qui était bien plus utile au quotidien, même s'ils étaient probablement en mesure de déchiffrer les hiéroglyphes monumentaux. C'est les sculpteurs et les dessinateurs qui se chargeaient de les tracer avec tous les détails nécessaires et étaient les vrais professionnels en charge de la monumentalisation de l'écrit sous forme de hiéroglyphes. En égyptologie, on publie les textes hiératiques après les avoir transcrits en hiéroglyphes standardisés. Cette étape de transcription permet de montrer aux autres chercheurs ce qu'on a compris du texte original en cursive, qui n'est pas toujours évident à lire en raison des nombreuses ambiguïtés de lecture possibles. Il arrive fréquemment que des signes bien distincts en hiéroglyphes se ressemblent comme deux gouttes d'eau en hiératique, tandis que les formes abrégées ou tachygraphiques complexifient encore l'interprétation de la cursive. La transcription hiéroglyphique sert souvent aux étudiants à accéder au contenu des textes manuscrits et à en étudier la grammaire, mais il ne faut jamais négliger l'original hiératique, car une transcription est déjà une interprétation moderne. Pour terminer cette présentation du hiératique, je voudrais profiter de ma présence au Museo Egizio pour vous montrer deux autres exemples de documents hiératiques célèbres. Le premier est le Goldmine Papyrus, ou Papyrus des Mines d'Or. Comme le papyrus de la Grève, que je vous ai présenté en introduction, il date de la 20e dynastie et provient du site de Deir el-Médina. Au recto, on trouve une carte d'une zone située entre le Nil et la mer Rouge, dans les déserts orientaux de l'Égypte. C'est une zone de carrière, mais également une région aurifère, ce qui explique le nom moderne du papyrus. Cette carte est annotée de quelques légendes hiératiques qui s'articulent avec l'image et donnent des informations concernant les éléments visuels, comme route qui mène vers la mer ou montagne où l'on extrait l'or. Quant au verso, on y trouve une série de textes dont la main rappelle beaucoup celle du papyrus des Grèves. Il s'agit en fait du même scribe, un certain Amenhart, bien connu car il a signé bon nombre de ses écrits.
ce qui a permis aux égyptologues spécialisés de définir des traits caractéristiques de sa cursive et de la reconnaître même en absence de signature. Le second exemple est aussi un papyrus ramesside de Deir el-Médina, mais inscrit au recto de Champ d'Amour, qui relève donc de la sphère littéraire. La main, soignée, se distingue de celle du verso, où on trouve des textes administratifs. Ce type de papyrus, inscrit de plusieurs textes de nature différente, est dit hétérogène. C'est quelque chose de très courant dans la documentation égyptienne, et en particulier à Deir el-Médina. Pour finir, apprendre le hiératique, en fait, c'est accéder à un immense pan de la documentation d'époque pharaonique, avec des textes très variés, et qui nous permettent souvent de nous approcher encore plus des anciens Égyptiens, en allant plus loin que les sources hiéroglyphiques réservées à un discours plus officiel, plus standardisé. Il reste encore des centaines de papyrus et d'ostraca inédits dans les collections égyptiennes du monde entier, et chacun apporte une petite pierre à l'édifice qu'est l'égyptologie pour mieux comprendre ce qu'était la vie à l'époque pharaonique. Eh bien, bonjour Phénix, j'attendais que justement la vidéo soit terminée pour te saluer, j'espère que tu vas bien. Si par moment le son ne va pas assez fort, n'hésite pas à le dire, parce que c'est vrai qu'il parlait un peu moins fort ici, par rapport aux autres vidéos. C'était très intéressant, je trouve. Alors, c'est normal, quelque part, mais en même temps, c'est un peu surprenant que les scribes étudiants, on va dire ça comme ça, apprennent d'abord le hiératique avant les hiéroglyphes, mais vu que le hiératique était plus utilisé, ben, c'est logique. En tout cas, pour tout ce qui était support fonctionnel, support amovible, quoi, qui pouvait être déplacé, comme les papyrus, etc. C'était aussi intéressant de faire le parallèle entre l'écriture des médecins sur les ordonnances et le hiératique plus administratif. Ouais, c'est ça. Par rapport à celui qui est littéraire, qui est plus soigné, etc., où on peut encore reconnaître justement les symboles hiéroglyphiques. En effet. Ok, super. Donc oui, c'était vraiment intéressant, je trouve. Et aussi de voir qu'ils étaient donc hétérogènes, qu'ils pouvaient avoir justement plusieurs manières de se présenter très clairement ou plutôt moins clairement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, le hiératique, c'est une écriture manuscrite très droite en bâtonnet utilisant des hiéroglyphes stylisés. Un type d'écriture qui n'est utilisé que par les prêtres et se limite aux documents les plus sacrés. Une cursive manuscrite, une sorte d'équivalent pour les anciens égyptiens, de l'écriture attachée par rapport à un texte tapé à l'ordinateur, qui serait un texte en hiéroglyphes monumentaux. Un scribe spécialisé dans la documentation administrative. Donc, pour moi, c'est déjà pas la 1, pas la 4. Alors, pour moi, c'est la 3. C'est une cursive manuscrite, une sorte d'équivalent pour les anciens égyptiens de l'écriture attachée par rapport à un texte. Alors, pas tapé à l'ordinateur, qui serait un texte en hiéroglyphes monumentaux. Parce que je me dis, en fait, limité au texte sacré, en fait, à un moment, il parle du démotique qui était utilisé majoritairement. Et le hiératique était plutôt laissé au texte sacré. Mais c'est pas que utilisé par les prêtres. Pour moi, je dirais la 3. Parce que tu vois, c'est cursif. Moi, je mettrais que c'est la 3. Ouais. Moi, je mettrais ça. Qu'appelle-t-on un ostracon ? Ostraca au pluriel, en égyptologie. Un genre littéraire attesté seulement dans l'Égypte ancienne, un papyrus d'un format particulier utilisé par les scribes royaux, un support d'écriture taillé dans un œuf d'autruche. Pas mal ça. Un éclat de calcaire ou un tesson de poterie utilisé comme un support pour l'écriture ou le dessin. Bon là, on l'a entendu tel quel. Hop, c'est la quatrième. Enfin, à chaque fois on entend tel quel, c'est juste que on s'en souvient ou on ne s'en souvient pas. Alors, l'égyptologie distingue traditionnellement deux catégories pour classer les documents inscrits en hiératique. Ça, je m'en souviens bien, donc ça c'est cool. Religieux et profane, simple et complexe, littéraire et administratif, à l'encre noire et à l'encre rouge. Donc c'est littéraire et administratif. D'ailleurs,
Les administratifs sont plus rapidement écrits et les littéraires prennent plus le temps pour que ce soit bien, je pense. Ou alors que c'est l'inverse, mais je pense que c'est ça. Quel signe hiératique ne correspond pas au signe A2 hiéroglyphique? Ok. Donc, quel signe ne correspond pas à celui qui est mis entre parenthèses? Je vais faire un zoom au cas où ce ne serait pas assez visible. Voilà. Ouais, oui, c'est par rapport à celui-là. Ouais, ça va, vous le voyez bien, je pense. Donc, lequel des quatre ci-dessous donc ne correspond pas? Ça, c'est important parce que je me fais souvent avoir avec le correspond, ne correspond pas. Donc, ce n'est pas ça. Ah oui, c'est l'homme avec oui, la main à la bouche. Oui, je me souviens de ça. C'est le A en fait. Parce que le A, c'était le J là, vous voyez. C'est quand on le voit en double, c'est un Y dans Ptolemy's, vous voyez. En hiéroglyphe. Je sais pas si je suis hyper clair, mais en tout cas, dans mon esprit, c'est clair. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça. Parce qu'en fait, je me souviens que pour le A, la transformation m'avait vraiment surprise, en fait. J'aurais jamais représenté ça comme ça en hiératique. Alors, la paléographie est une discipline qui permet. Alors là, il y a une petite indication quand même dans la décomposition du mot. D'attribuer un texte à un scribe. Ah, il y a plusieurs réponses en plus. D'attribuer un texte à un scribe particulier en comparant la forme des signes ou groupes de signes apparaissant sur plusieurs documents. D'étudier le lexique égyptien en s'intéressant à l'évolution de l'orthographe d'un même mot à travers le temps. De dater certains textes en comparant la forme des signes ou groupes de signes apparaissant sur plusieurs documents. De restituer dans une certaine mesure la gestuelle des scribes en étudiant la façon dont sont tracés les signes. Moi, je dirais la une. Qu'il expliquait qu'ils ont pu justement attribuer à un même scribe plusieurs écrits parce qu'ils avaient été signés au départ et d'autres ne l'étaient pas, mais en fait ils avaient la même manière d'écrire. Je dirais aussi de restituer dans une certaine mesure la gestuelle des scribes. Ce serait logique, hein, la paléographie, hein, graphie, paléo. Je me dis que ce serait logique. Alors de dater certains textes en comparant la forme des signes ou groupes de signes apparaissant sur plusieurs documents. Alors, je ne sais pas vous, mais je me dis que ça pourrait aussi être logique. Ah, attends, donc Phoenix, toi tu me dis que c'est pas le 3. Oui, c'était pour la 4. Ben, on y revient après. On va terminer d'abord la 5. Donc ce serait pas illogique parce que je veux dire, une personne qui a écrit d'une certaine manière aura vécu un certain nombre d'années. Et donc il va comparer, il va correspondre à certaines dates. Donc, pourquoi pas? Et on voit que les signes ont aussi évolué et que il expliquait qu'en fait il y avait autant de signes hiératiques que de scribes parce que quelque part c'est une manière d'écrire comme on a chacun notre manière d'écrire. Voilà. Après il y a des gros changements et des changements plus subtils certainement, mais moi je mettrais quand même la 3 aussi. Et par contre pas du tout la 2. J'aurais aussi. Alors attends, parce que. Hop, ici c'est pas toujours clair. Ah oui. Donc, j'aurais aussi voté pour la 3 et la première. 3 et première. Ok, d'accord. Ok. Alors, donc pour la 4, toi tu disais plutôt la C, c'est ça, la 3. Ok. Ok, ben ça va. Je prends note. Moi je garde ma réponse, mais on verra alors la bonne réponse. Hop, on enregistre, on vérifie et on affiche les réponses. Voilà. Donc, la paléographie est une discipline qui permet d'attribuer un texte à un scribe particulier en comparant la forme des signes ou groupes de signes apparaissant sur plusieurs documents, de dater certains textes en comparant la forme des signes ou groupes de signes apparaissant sur plusieurs documents, de restituer dans une certaine mesure la gestuelle des scribes en étudiant la façon dont sont tracés, pardon, les signes. Alors, quel signe hiératique ne correspond pas au signe A2 hiéroglyphique? Donc là, c'était la A.
Donc voilà, j'ai pas l'exemple ici sous la main, mais si vous regardez la rediff, retournez en arrière et vous verrez alors à quoi correspond la A. Et vous verrez qu'en fait, ça fait pas du tout penser au signe hiéroglyphique de base. Mais voilà, c'est ça, ça. Alors, à la première question, non, je suis à la bourre dans le questionnaire. Là. Ok, d'accord. Alors j'ai du mal à lire parfois ce qui est mis dans le chat parce qu'en fait sur ma tablette j'ai un gros cœur qui vient en plein milieu de la phrase. Donc c'est pas du tout pratique. Et si je switch en fait d'un écran à l'autre avec Alt Tab, parce que soit j'ai en face de moi à ma gauche mon écran avec l'OBS, avec OBS, et à droite j'ai le questionnaire, si je switch en fait sur un des deux écrans, j'ai un fond noir qui apparaît sur OBS et donc c'est pas top pour vous. Donc du coup ce que je veux dire c'est que je peux pas regarder mon chat sur mon PC. Voilà, tout ça pour dire ça, mais voilà. Qu'appelle-t-on un ostracon au pluriel ostraca en égyptologie? C'est comique parce que ça me fait penser à Assassin's Creed Odyssey. Ouais, je m'étais amusé à aller chercher tous les ostracas sur la carte, quoi. C'était vraiment chouette à faire, ça, je trouve. C'était des petites énigmes. Il fallait trouver les endroits. Je crois qu'il y a part 3 ou 4 où j'étais allé voir les solus. Sinon, j'avais réussi à tout trouver. Ouais. J'aime assez bien les jeux comme ça, de réflexion, de recherche. Bah oui. Ouais, c'est clair. Ouais, s'il pouvait changer, ça serait pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un ostracon? C'est un éclat de calcaire ou un tesson de poterie utilisé comme support pour l'écriture ou le dessin. Et le hiératique, c'est une écriture donc cursive manuscrite, une sorte d'équivalent pour les anciens égyptiens de l'écriture attachée par rapport à un texte tapé à l'ordinateur, que serait un texte en hiéroglyphes monumentaux. En fait, là... Pour cette question-là, cette réponse-là, vraiment, ce qui m'a un peu questionné, c'est en fait taper à l'ordinateur. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent ça? Vraiment, ça vient mettre pas mal de confusion. Mais enfin, voilà. Les autres réponses étaient normalement pas bonnes. Parce que voilà, manuscrit très droite, en bâtonnet, non, forcément. Alors là, j'ai une petite hésitation avec la deuxième. Quand le démotique apparaît, justement, mais voilà, ok. Et alors, une écriture, un scribe spécialisé, non, c'est pas un scribe, c'est une écriture, donc là, on pouvait le retirer aussi. Par élimination, c'était plus simple, en tout cas. À cause, justement, de la petite subtilité qui avait été notée, ok. Alors ici, on va vraiment plonger dans le démotique, donc une autre écriture. Si vous remarquez ici, dans le module 4, on nous présente en fait les trois écritures présentes sur la pierre de Rosette, le hiératique, le démotique et le copte. Donc on a vu le hiératique, on va maintenant voir le démotique. Pardon. C'est parti. Hop, pardon. Au Égyptio de Turin, le visiteur curieux remarquera à n'en pas douter une petite stèle calcaire particulière qui est peinte à l'encre noire. Ce monument funéraire est dédié à deux frères, Padihonsu et Imhotep, que l'on voit dans la partie centrale en adoration devant Osiris, le roi divin de l'au-delà, accompagné de ses sœurs Isis et Nephthys. Mais c'est surtout le caractère non homogène des textes situés en dessous de cette image qui attirera le regard des visiteurs. Les trois premières lignes se composent des hiéroglyphes qui nous renseignent sur les titres et les noms des deux frères. Après un petit interstice, suivent quatre lignes dans une norme d'écriture très cursive. Ils sont écrites en démotique, comme on appelle aujourd'hui cette variante de l'écriture égyptienne, qui fut utilisée entre 650 avant et 450 après Jésus-Christ.
Ce terme remonte aux auteurs classiques grecs qui décrivaient ainsi l'écriture cursive égyptienne de leur époque. En effet, dans son sens étymologique, le démotique, demotica grammata, désigne l'écriture populaire de la population égyptienne. Un autre terme, épistolographique, très littéralement épistolographique, reflète le nom que les Égyptiens eux-mêmes donnaient à cette écriture. En égyptien, secha en chat signifie littéralement l'écriture des lettres. En revanche, les hiéroglyphes, hiéroglyphica grammata et l'iratique, iratica grammata, étaient conçus à cette époque comme des écritures sacrées, ce qu'exprime la composante hieros dans ces deux termes. Cette opposition montrait bien que l'on différenciait plusieurs normes d'écriture égyptienne en fonction de leur contexte concret d'utilisation. L'une d'entre elles, le démotique, était censée être celle des textes profanes, ou plutôt celle destinée à un public profane, dans le sens le plus large du terme. En ce sens, l'utilisation de l'écriture domotique ne se limitait pas à la communication écrite quotidienne sur des supports comme le papyrus, les ostracas et les tablettes en bois. Les richesses de la littérature domotique, les centaines de manuscrits des rituels anciens et l'impressionnante quantité des textes scientifiques en domotique en sont la preuve. Notre stèle turinoise est un bon exemple du fait que le démotique est la norme graphique égyptienne la plus pratique et la plus accessible de la période. Je m'explique. Tandis que son texte en hiéroglyphe mentionne seulement les titres et noms des deux frères, la ligne démotique précise que Padihonsu et Imhotep sont respectivement morts à l'âge de 16 et 21 ans. En plus, elle nous renseigne sur le fait que les frères ont été embaumés avant leur enterrement. Les noms et les titres des deux frères se trouvent, comme je vous l'ai dit, à la fois dans le texte hiéroglyphique et dans le texte démotique. Comparons donc la version hiéroglyphique à celle démotique du nom d'Osiris ou Sire. En hiéroglyphe, le mot se compose de l'œil, du trône et de l'étendard divin. Les trois mêmes signes apparaissent aussi en démotique, mais elles sont écrites d'une manière beaucoup moins figurative, beaucoup plus schématisée et cursive. Cette schématisation des signes d'écriture est plus évidente encore dans les noms Imhotep. Ici, le groupe hiéroglyphique Etep correspond à un seul signe démotique que l'on appelle un groupe historique. Nous y reviendrons plus tard. Ces correspondances entre signes s'expliquent si on comprend, comme l'avait déjà fait Champollion, que le démotique est le dernier stade de l'évolution de l'écriture cursive, c'est-à-dire l'iratique dont Renaud Pietri vous a déjà parlé en détail. En effet, la fragmentation politique du pays au début du premier millénaire avant notre ère a abouti à une régionalisation des écoles des scribes. Dans le même temps, l'absence de standards émanant d'une administration centrale forte a vraisemblablement permis une accélération du processus de simplification des signes. Au sud du pays s'est développée une norme que l'on appelle l'iratique cursive tardive ou l'iratique anormale. Pour le nord, les sources papyrologiques de la période sont très rares. Mais au plus tard, au milieu du 7e siècle avant notre ère, il est sûr que les écritures des deux régions se distinguaient considérablement. C'est la raison pour laquelle le pharaon Amasis, roi de la dynastie Saïte, après avoir repris le contrôle du pays, semble avoir mené une réforme de l'écriture administrative en la normalisant tout à long du Nil. Le démotique ancien était né. En raison de l'évolution progressive de l'écriture, on divise un peu artificiellement le démotique en trois périodes qui correspondent en fait aux grandes époques de l'histoire politique. La première période, c'est le démotique ancien, 650
à 400 avant Jésus-Christ, dont vient de parler. À ce moment, la basse époque, il est encore limité aux textes administratifs et légaux. On a ensuite le démotique moyen ou ptolémaïque, environ 400 à 30 avant Jésus-Christ, sous la dynastie Lagide des Ptolémées. Il s'agit de la période classique durant laquelle le démotique foisonne dans toutes les champs de l'écrit. C'est durant cette période, à la fin du IIe siècle avant notre ère, que le genre de papyrus traditionnel est peu à peu remplacé par le calame grec pour écrire le démotique. Ce calame permettait de tracer des traits d'une épaisseur normalisée et son adoption va profondément affecter l'apparence visuelle de l'écriture démotique. Enfin, le dernier stade de cette écriture est le démotique tardif ou romain, environ 30 avant Jésus-Christ à 450 de notre ère. Cette variante du démotique suscite une quantité de textes littéraires et scientifiques sans précédent. Durant cette même époque, les textes administratifs en démotique diminuent en nombre lorsque le grec s'impose peu à peu dans l'administration du pays. La dernière inscription démotique, qui porte une date précise, est un graffito à l'île des Philets, daté du 12 décembre 452. Cependant, il faut noter que quelques signes démotiques vont survivre dans d'autres écritures. Déjà au IIIe siècle avant notre ère, la cursive méroétique, employée en terre nubienne, avait été forgée à partir des signes empruntés au répertoire démotique. Plus tard, en copte, les sons égyptiens, qui ne trouvaient pas de correspondance dans l'alphabet grec, ont été notés au moyen des signes empruntés au démotique. Revenons à présent à notre stèle, qui est rédigée en démotique ptolémaïque et qui date plus précisément du 1er siècle avant notre ère. Le nom d'Imhotep va nous permettre d'analyser un peu plus en détail le fonctionnement de cette écriture. Tandis que l'hiératique permettait encore de dresser des équivalences précises avec les signes hiéroglyphiques, cela est devenu de plus en plus difficile au cours de l'évolution du démotique. Cette écriture possède toujours un système d'unilitères, les signes notant un seul son, avec lesquels on peut écrire n'importe quel mot, ainsi qu'une gamme de classificateurs, mais qui est, somme toute, assez réduite si on la compare à la variété des classificateurs hiéroglyphiques. Toutefois, beaucoup de mots ont acquis des graphies fixes qui se composent de signes complexes remontant à des groupes hiératiques. C'est pour cette raison qu'ils sont aujourd'hui appelés groupes historiques. Vu que le répertoire des signes démotiques comprend un grand nombre d'homographes, on arrive à leur lecture correcte comme contexte. Par exemple, on trouve le premier signe du nom d'Imhotep également dans Renépet, Lon ou encore dans le nom de la déesse Isis. Ils remontent tous à des signes hiératiques différents. Le premier au roseau avec les jambes en mouvement, le second à la branche de palmier et le dernier au trône. À ce point de ma leçon, il faut encore que je vous dise que les signes démotiques peuvent montrer des variations régionales importantes qui sont dues au régionalisme des écoles des scribes et au fait que les scribes démotissantes pouvaient être formés tantôt dans des écoles attachées au temple, tantôt au sein de la famille. Enfin, des signes provenant d'autres normes d'écriture étaient parfois introduites dans les sources démotiques qui copiaient des manuscrits plus anciens. Cela se manifeste dans les textes qui l'ont dit semi-démotiques, lesquels mêlent les trois normes d'écriture. Aujourd'hui, le terme démotique ne désigne pas seulement un stade d'écriture cursive, mais également la phase de la langue égyptienne contemporaine qui se situe entre le néo-égyptien du Nouvel Empire et le copte. Cela dit,
la langue démotique est loin d'être uniforme et sa grammaire évolue progressivement au long de presque 1000 ans de son utilisation. Par exemple, la grammaire des textes démotiques tardifs est formellement déjà très proche du copte. On ne s'y arrêtera pas ici, car une présentation même succincte de la grammaire démotique pourrait remplir un cours à part entière. La langue et l'écriture démotique sont intimement liées parce que la plupart des textes hiéroglyphiques contemporains sont écrits en égyptien de tradition. Pourtant, certains textes monumentaux en hiéroglyphes se distinguent en employant la langue démotique, ce qui a été appelé le démotique monumental. C'est la pluriscriptualité caractéristique de cette époque, ainsi que le bilinguisme égyptien-grec qui rendent l'étude des textes de l'époque gréco-romaine si difficile, mais en même temps si riche et passionnant. Alors, j'ai l'impression que, bon, évidemment, il faut l'apprendre, mais j'ai l'impression que pour ceux qui apprenaient le démotique, ça doit être un peu plus simple que les hiératiques ou les hiéroglyphes. Vu que c'était des, il y avait moins de signes, ils étaient figés en plus, et moins de classificateurs aussi, donc un peu comme apprendre le chinois et apprendre l'alphabet français, francophone, c'est pas le même monde, quoi. Je veux dire, c'est plus facile d'apprendre notre alphabet que le chinois, par exemple. Ouais, je vois ça un peu comme ça, moi, en tout cas. Alors, le démotique est plusieurs réponses possibles. Une phase de la langue égyptienne n'est pas une phase de la langue égyptienne, une variante de l'écriture cursive égyptienne, une écriture très figurative. Donc, ben, elle n'est pas figurative, hein. Là on l'a bien vu. C'est une variante de l'écriture cursive, ça oui. Et ben, c'est une phase de la langue égyptienne, non? Je pense... Ouais, non. Il me semble. En fait, on a le démotique, donc la première version, donc ancien, je crois que c'était. Puis on a le ptolémaïque, et puis on a le romain. Donc, pour moi, ce serait une version, ouais. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire, je reviendrai dessus après. L'évolution de l'écriture démotique n'inclut pas le démotique couchite, le démotique ancien, le démotique moyen ou ptolémaïque, le tardif ou romain. Bon, ben là, c'est le couchite, parce qu'en fait, on l'a pas entendu. Donc, voilà. Et les autres, ben, je les ai cités. Ancien, moyen, tardif, qu'ils viennent ptolémaïque ou romain. Voilà. Ouais, peut-être que dans les autres questions qui vont arriver, on va avoir un indice pour la première, on va voir. Alors ici, Phoenix dit, ils m'ont perdu avec leur phase. Oui, j'avoue que ouais, c'est pas toujours facile. Ouais, en effet. Ben oui, c'est ça. On va voir après. Un groupe historique est une séquence d'unilitaires et classificateurs. Une graphie fixe qui se compose de signes complexes remontant à des groupes hiératiques, un mot égyptien de tradition en écriture démotique. Très sincèrement, je ne me souviens pas du tout d'avoir entendu ça. Je n'en ai aucun souvenir. Vraiment aucune idée. Moi, je dirais la première, mais je me trompe peut-être. Mais vraiment, c'est au hasard, parce que vraiment, je ne me souviens pas du tout d'avoir entendu parler de ça. Et ils en ont sûrement parlé, mais vraiment, je ne m'en souviens pas. Lequel des usages suivants du démotique n'est pas attesté? Donc là, c'est vraiment « n'est pas ». Les textes semi-démotiques qui mêlent des signes démotiques, hiératiques et hiéroglyphiques. Le démotique lapidaire, c'est-à-dire incisé dans la pierre. Les impressions de sceaux en écriture démotique,
l'emprunt de lettres démotiques dans la cursive méroïtique. L'emprunt de lettres démotiques dans la cursive méroïtique. Ok. Donc, ce n'est pas attesté. Qu'est-ce qui n'est pas attesté là-dedans? Alors, le semi-démotique, ça l'est. Les impressions dessous en écriture démotique, j'ai une hésitation. L'emprunt de lettres démotiques dans les écritures cursives méroïtiques, ça oui. Donc ça, ce serait le démotique lapidaire, incisé dans la pierre. Mais non, parce que le démotique lapidaire, enfin le démotique dans la pierre, alors ouais, si on regarde la stèle du début, c'est sur la pierre. Est-ce que c'est dans la pierre, est-ce que c'est sur la pierre? Bonne question. Moi, je dirais que c'est des impressions des sceaux. Ouais. Et alors, si on revient à la première, le démotique est une phase de la langue égyptienne, une variante de l'écriture cursive égyptienne. Je vais rester là-dessus. On enregistre, on vérifie. Ah mince, j'ai des essais, ça c'est bien. Ah non. Ah ben, en fait, j'ai pas été assez vite pour lire. Bon, c'est pas grave. On va afficher la réponse. Ça m'apprendra à aller si vite. Lequel des usages suivants du démotique n'est pas attesté? Les impressions de sceaux en écriture démotique. Voilà, ben, tant mieux, c'est juste. Alors, hop, voilà, on remonte. Alors là, ben, je ne me souvenais pas du tout de l'avoir entendu, donc vraiment, c'était au hasard. Un groupe historique est une séquence... attendez. Non. Un groupe historique est une graphie fixe qui se compose des signes complexes remontant à des groupes hiératiques. Ok, d'accord. Ben, je ne m'en souvenais pas du tout. L'évolution de l'écriture démotique n'inclut pas... Le démotique couchite, parce qu'on ne l'avait pas entendu, et voilà, je ne sais pas si ça existe ou si c'est un piège, mais en tout cas, on n'en a pas parlé ici. Et alors, le démotique est une phase de la langue égyptienne, une variante de l'écriture cursive égyptienne. Voilà. Hop. Ici, on va passer maintenant au copte, la dernière partie du module 4, et on conclura là-dessus. Et puis, on pourra un petit peu débriefer ensemble après, si vous le souhaitez. Donc c'est parti, hein. Donc le copte, c'est la troisième langue qui apparaît sur la pierre de Rosette, notamment hein, avec le hiératique et le démotique. Et c'est parti. Bonjour à tous. Dans cette capsule, je vous présenterai le dernier stade d'évolution de la langue égyptienne que l'on appelle le copte. À la différence des stades précédents, le copte présente la particularité de s'écrire au moyen de l'alphabet grec augmenté, selon le dialecte copte concerné, de 6 ou 7 caractères tirés de l'écriture démotique pour noter des sons que ne permet pas de rendre l'alphabet grec. Cette langue sera utilisée de manière active du 3e au 13e siècle de notre ère, et elle est encore utilisée de nos jours dans certaines parties de la liturgie des chrétiens d'Égypte. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons de plus près le mot français « copte ». Il recouvre en fait trois réalités, linguistique, ethnique et religieuse. Il désigne, comme on l'a vu, le stade ultime d'évolution de la langue égyptienne, c'est l'objet de la capsule, mais aussi les chrétiens d'Égypte, qui représentent aujourd'hui environ 10% de la population du pays, ainsi que les églises chrétiennes égyptiennes. C'est donc un terme profondément lié au pays du Nil, comme le montre aussi son étymologie. On admet généralement que le mot « copte » provient de l'ethnique grecque « aiguptios », égyptien, qui est lui-même une transcription de l'égyptien Hut Kapta, la maison du Ka, c'est-à-dire les qualités de l'être, de Ptah, qui était le nom de la ville de Memphis, dont Ptah était le dieu tutélaire. Ce sont les Arabes, qui conquièrent l'Égypte en 642,
qui contracteront le mot grec aiguptios en guptios, qui deviendra coupti. C'est par l'intermédiaire des voyageurs occidentaux du début de l'époque moderne que le coupti arabe deviendra copte, puis au XIXe siècle, copte. En résumé, le mot copte signifie donc égyptien. Mais revenons à la langue et à l'écriture copte. La volonté d'écrire la langue égyptienne au moyen de l'alphabet grec procède d'une part de la nécessité de disposer d'un système vocalisé pour écrire la langue égyptienne, alors que l'écriture égyptienne est fondamentalement consonantique, et d'autre part à combler l'écart grandissant entre la langue parlée et les écritures hiératiques et démotiques. Les écritures traditionnelles étaient en effet de moins en moins comprises par la majorité de la population, qui se trouvait ainsi dans une situation que l'on peut qualifier d'agraphie collective. Ainsi, avant l'apparition du copte au IIIe siècle de notre ère, sont attestés dès le Ier siècle des essais de transcription en caractère grec de textes égyptiens dans des milieux liés à la magie et à l'astrologie. C'est le stade que l'on appelle vieux copte. L'utilisation de l'alphabet grec permettait ainsi à des formules magiques d'être prononcées correctement afin d'en assurer l'efficacité. Précisons encore que l'on distingue d'une part le pré-vieux copte, où les textes sont transcrits exclusivement avec des caractères grecs, et d'autre part le vieux copte proprement dit, qui intègre certains signes issus du démotique. L'émergence du copte en tant que tel peut être daté du IIIe siècle, mais le contexte sera tout différent et intimement lié à la christianisation de l'Égypte. Elle répond à la nécessité de disposer des textes sacrés, ceux de la Bible, dans la langue indigène. Comme je l'ai souligné, l'alphabet copte va être fixé à partir des 24 lettres de l'alphabet grec, augmenté de 6 ou 7 signes issus du démotique, comme on le voit sur cet ostracone avec l'alphabet copte calligraphié. Les lettres grecques couvrent les 4 premières colonnes et les 6 lettres démotiques sont ajoutées à la fin dans la 5e colonne. Elles notent les phonèmes inconnus du grec mais utilisés en égyptien comme « che » ou « je ». L'autre innovation du copte réside dans son lexique, qui est constitué d'environ 20% de mots grecs. Ce sont essentiellement des substantifs, des verbes, des adverbes et des particules. À partir du 8e siècle, après la conquête arabe donc, on remarquera également l'arrivée de mots arabes qui enrichiront davantage le lexique copte. La syntaxe du copte, quant à elle, est exclusivement égyptienne. C'est précisément le nouveau système d'écriture qui comporte des voyelles qui va permettre de mettre en lumière une spécificité de la langue égyptienne qui était difficile, voire impossible à détecter dans les stades d'évolution antérieurs. Ce sont les dialectes. Le nom générique de copte ne désigne en effet pas une langue uniforme, mais un ensemble de dialectes qui présentent chacun une série de variations, surtout phonétiques, mais aussi morphosyntaxiques et lexicales. On distingue deux grandes régions dialectales, une région méridionale, d'Ashmounein à Thèbes, et une région septentrionale passant par Oxyrhynque, le Fayoum et le Delta. Il y a 6 dialectes principaux tout le long de la vallée du Nil. Leur nom est issu de la ville ou de la région où ils sont attestés et on les identifie avec un sigle correspondant à l'initiale de leur nom. Les dialectes forment donc un continuum qui s'étend le long de la vallée du Nil. Ils se différencient de proche en proche et, en conséquence, le dialecte le plus au sud est fort différent de celui le plus au nord, au point que, sans doute, leurs locuteurs respectifs devaient avoir certaines difficultés à se comprendre. C'est sans doute sa position géographique et le fait qu'il présentait une sorte de neutralité par rapport aux autres dialectes qui explique que le dialecte saïdique,
identifié par la lettre S sur la carte, est devenu, dès le IVe siècle, le dialecte littéraire et liturgique par excellence. Le saïdique étouffera ainsi petit à petit les autres dialectes méridionaux, de même que le dialecte mésochémique, désigné par la lettre M, qui ne sont plus attestés au-delà du VIe siècle. Le saïdique gardera sa place prépondérante jusqu'au XIe siècle. Il sera alors supplanté par le dialecte bohaïrique, B, le dialecte le plus septentrional, qui a toujours su garder son autonomie et ses particularités. La langue copte a été utilisée pour deux types d'écrits, les textes littéraires et les textes documentaires. Les textes littéraires sont destinés à être conservés et transmis par copies successives. On les trouve dans des manuscrits de papyrus, dont l'usage disparaît après le IXe siècle, mais aussi de parchemin. Le papier fera son apparition à partir du IXe siècle, mais son usage ne deviendra courant qu'à partir du XIe siècle, comme on le voit sur ce fragment daté du XIIe-XIIIe siècle. La littérature copte se compose de textes, soit traduits du grec, soit composés directement en copte. Il y a d'abord les textes bibliques, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce sont les plus anciennement attestés en copte, et ils sont traduits du grec. Dès le IVe siècle, se développera également une littérature monastique, avec les apophtegmes des Pères du désert, ou encore les vies d'Antoine et de Pacôme, les fondateurs du monachisme. C'est aussi à ce genre qu'appartient le plus célèbre auteur copte, le moine Chénouté, qui vécut centenaire entre le milieu du IVe et le milieu du Ve siècle. C'est un auteur prolifique, caractérisé par des prises de position radicales en matière religieuse. Ses écrits nous ont été conservés dans de nombreux manuscrits provenant du monastère Blanc en Haute-Égypte, dont il a été le supérieur. C'est d'un de ces manuscrits qu'est tiré ce feuillet de parchemin qui remonterait au 8e siècle et dont on remarque, dans la marge, la jolie illustration d'une coupe de fruits dans laquelle picorent deux oiseaux affrontés. Les manuscrits coptes ont également conservé de très précieux textes relatifs aux communautés religieuses manichéennes et gnostiques, comme les célèbres manuscrits de papyrus de Nag Hammadi, retrouvés en 1945. Les textes homilétiques abondent également, qu'ils soient des traductions d'homélies grecques ou des compositions coptes, souvent mises abusivement sous le nom d'un personnage important comme Athanase d'Alexandrie. La littérature hagiographique copte n'est pas en reste non plus. Les vies, miracles et martyrs des saints, lors des persécutions sous le règne de Dioclétien, ont donné lieu à une importante production écrite, souvent organisée en cycles. C'est le cas par exemple du martyr d'Ascla et de Philémon, dont on découvre la fin avec le titre final sur ce feuillet d'un manuscrit de papyrus. Dans ces textes que l'on peut assimiler à une littérature populaire, on repère nombre d'éléments égyptiens ou gréco-romains. Les textes à vocation liturgique sont également fondamentaux pour la vie religieuse et ils soulignent l'importance du culte de la Vierge, que les Coptes nomment la Théotokos, c'est-à-dire la Mère de Dieu. Enfin, on soulignera qu'une activité philologique s'est développée vers le XIIIe siècle et a donné lieu à la production de grammaires et de glossaires coptos arabes. Ce sont les témoignages concrets de la fin du copte comme langue vivante. Le copte avait désormais besoin d'être appris au travers de l'arabe. C'est à partir de ces traités que naîtront, au XVIIe siècle, les études coptes en Occident. Et ils aideront d'ailleurs très directement Champollion dans son apprentissage de la langue égyptienne. Les textes documentaires, quant à eux, recouvrent tous les écrits relatifs à la vie courante qui ne sont généralement pas destinés à être conservés. Ce sont des lettres privées, des comptes, des documents administratifs, des testaments ou encore des contrats. Ils sont écrits sur papyrus, comme ce compte de ferme datable du 7e siècle, ou sur des éclats de calcaire ou des tessons de poterie que l'on appelle ostraca. L'usage du papier pour les documents commence au 9e siècle,
tandis que le parchemin reste beaucoup moins attesté dans les documents que dans les textes littéraires. C'est dès le IVe siècle que les premiers textes documentaires coptes ont été produits. Ce sont surtout des lettres privées. À partir du VIe siècle, la langue copte acquiert un prestige nouveau et sera utilisée dans la vie administrative en remplacement du grec. C'est à cette date que l'on voit les premiers contrats et testaments en copte, mais aussi des documents fiscaux ou relevant de la sphère judiciaire. Le copte sera lui-même supplanté par l'arabe dans cet usage. L'intérêt des textes documentaires coptes est qu'ils montrent un état de langue non standardisé, assurément plus proche de la manière dont il était parlé par ses locuteurs. Eh bien, c'était bien complet. On voit que le copte était utilisé dans bien des cas de figure. Ben voilà, on va pouvoir tester alors nos connaissances, parce que je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été dit ici, à vrai dire. Alors, durant quelle période la langue copte est-elle utilisée activement? Alors là, les dates, moi, c'est un peu comme les noms, j'ai toujours du mal. Alors, du... En plus, c'est en chiffres romains. Enfin bon, c'est pas compliqué à lire, mais c'est vrai qu'on a moins l'habitude. Du 4e siècle avant Jésus-Christ au 8e siècle après Jésus-Christ, ou bien du 3e siècle après Jésus-Christ au 13e siècle après Jésus-Christ, du 3e siècle après Jésus-Christ à aujourd'hui, depuis le 13e siècle. Ok. Alors le copte, la période, c'était jusqu'à ce que... l'arabe prenne le pas. Donc c'est pas jusqu'à aujourd'hui. C'est pas depuis le 13e siècle. Parce qu'en fait... bah ouais, donc je vais pas dire de bêtises, mais donc c'est pas la 3 et la 4. Alors du 4e avant au 8e après. Ou alors on va directement après. Avant JC. Ouais, je pense que moi, ce serait plutôt pour la première, alors. Je pense aussi. Mais c'est vrai que, oui, c'était vraiment très dense. Hein. On a eu vraiment beaucoup d'infos, je trouve. En effet, si... je ne sais pas ce qui va revenir. Je bois un petit coup d'eau. Je ne sais pas ce qui est prévu après dans le MOOC. Parce que je découvre aussi en même temps que vous. Mais clairement... une autre partie sur le copte serait peut-être intéressante pour vraiment prendre le temps de bien assimiler la matière. Et je dirais quand même ouais, du 4e en fait, avant Jésus-Christ, je dirais. Alors, d'après son étymologie, que signifie le mot copte? Ça va, c'est égyptien. Donc soit arabe, chrétien, égyptien ou grec. Moi je choisis égyptien ici. Au moyen de quel alphabet s'écrit la langue copte? Arabe, grec, hébreu ou latin? C'est le grec, hein, avec, selon la version du copte, des symboles ajoutés pour les sons qu'on ne sait pas prononcer en grec, et notamment des symboles issus du démotique, comme il le disait. Quelle proposition... ouais, c'est bien un grec, ouais. Quelle proposition caractérise le mieux la littérature copte? Elle est le réceptacle des traditions littéraires de l'Égypte pharaonique. Elle est constituée exclusivement de traductions du grec. Elle représente, à côté des versions arabes ou syriaques, l'une des versions orientales de nombreuses œuvres de la littérature grecque classique. Elle se compose essentiellement de textes chrétiens traduits du grec ou composés directement en copte. Bon, en fait, au début, je me dis que ça va être un peu plus difficile parce qu'on a eu pas mal d'infos là-dessus, mais en vrai, ça me paraît pas si difficile parce que c'est... Enfin... Pour moi, c'est pas la 4. Enfin, quoi que, attendez, je vais quand même relire par CQ. Donc, quelle proposition caractérise le mieux la littérature copte? Elle est le réceptacle des traditions littéraires de l'Égypte pharaonique. Ça, je dirais que non. Elle est constituée exclusivement de traductions du grec.
Elle représente, à côté des versions arabes ou syriaques, l'une des versions orientales de nombreuses œuvres de la littérature grecque classique. Ça, je dirais que non. Elle se compose essentiellement de textes chrétiens, traduits du grec ou composés directement en copte. Ouais. Moi, j'hésite entre la 2 et la 4. Je dirais que c'est la 4. Au départ, je disais non, en fait. Mais en fait, c'est le terme texte chrétien qui m'a un peu induit en erreur au départ. Et puis, en fait, c'est dans mon raisonnement, en fait, dans mon premier raisonnement, ça m'a induit en erreur. Puis, en réfléchissant un peu plus loin, je dirais quand même la 4. Parce que oui, c'était soit composé, donc traduit du grec, ou composé directement en copte. Oui, je dirais que c'est la 4. Pour moi, c'est la 4. Vu qu'en plus, le copte, c'est utilisé par les chrétiens d'Égypte, 10% de la population, comme il a dit. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Qui est Chénouté et quand a-t-il vécu? Ouais, je pense aussi la 4. Donc c'est un auteur copte du 4e, 5e siècle, un moine du 8e siècle, un patriarche d'Alexandrie du 5e siècle, un philologue copto-arabe du donc 13e siècle. Bonne question. Moi, je dirais que c'est un patriarche d'Alexandrie. En fait, je me souviens plus trop de qui c'est, mais je me souviens en fait à la fin d'une illustration d'un personnage à qui on doit quelque chose dont je ne me souviens pas non plus. Mais je me souviens d'avoir lu Alexandrie dessus, en fait. Et donc, je dirais que c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment par déduction, parce que je ne m'en souviens pas très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah ouais. Non, les dates, moi non plus, je m'en souviens pas du tout. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas trop vicieux dans les questions. C'est que vraiment, soit c'est la réponse, mais voilà, t'as pas genre 4 fois un patriarche d'Alexandrie avec 4 dates différentes, quoi. Ça, ce serait vraiment très vicieux. Là, ils sont quand même sympas dans la manière de présenter leur réponse. Donc moi, je vais valider ça. On va voir. Ok, d'accord. Et donc, oui, j'ai mon ventre qui travaille parce que l'heure de midi approche. Donc, si vous entendez des bruits suspects, c'est mon ventre. C'est parti. Ah ben voilà. Ok. Alors, la question qui est Chénouté et quand a-t-il vécu? C'était un auteur copte du 4e, 5e siècle. Donc là, je m'étais trompé. Quelle proposition caractérise le mieux la littérature copte? Elle se compose essentiellement de textes chrétiens, traduits du grec ou composés directement en copte. En fait, je me souviens qu'il avait expliqué que c'était traduit du grec ou directement composé en copte. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je suis resté focalisé sur égyptien. Et donc, quand j'ai vu texte chrétien, j'ai un peu phasé. Et après, je me suis rappelé que en fait, le copte, c'est... ça veut dire égyptien, mais ça désigne aussi les chrétiens d'Égypte. Et donc je me suis dit, ouais, c'est des textes chrétiens. Au moyen de quel alphabet s'écrit la langue copte, le grec, donc ça oui. D'après son étymologie, que signifie le mot français copte, égyptien? C'était facile. Ah, là je me suis trompé, dommage. Durant quelle période la langue copte est-elle utilisée activement? Ouais, là vraiment... Ah ouais, ouais, bah ouais, ok. Donc c'est du 3e siècle après Jésus-Christ au... donc là c'est 13e siècle après Jésus-Christ. Ok, d'accord. Ben voilà, du coup, ça fait 3 points sur 5. Bon, on ne regarde pas forcément les points, hein. C'est pour tester sa connaissance, pour évoluer, etc. Hein. Comme je disais, les points c'est bien pour la gloriole et pour le reste, mais voilà. Donc voilà, ça a été deux modules très intenses, je trouve, très complets aussi, très instructifs, très intéressants. J'ai bien aimé écouter les interventions de l'un des deux intervenants, justement, dans les petites interviews. Vraiment, j'ai pas la mémoire des noms, je m'excuse mille fois pour ça. C'était dans cette partie-là, je crois. C'était comment son nom? Ah voilà, Monsieur Vernus.
professeur Vernus. Voilà, là j'ai vraiment bien aimé cette partie-là. Les interviews qui étaient faites avec ce monsieur étaient vraiment très intéressantes. Et je trouve le ton qu'il utilise pour parler très captivant. Vraiment, j'ai bien aimé. Ah, salut Joris! Ok, d'accord. Bah ici, tu arrives tout doucement à la fin, mais n'hésite pas à venir regarder la rediffusion, à participer comme pour les précédents lives, en mettant en pause quand on lit la question, répondre en toi-même de ton côté, etc. Comme ça, tu vois un petit peu si tu as bien, bien tout compris, bien tout enregistré. Donc ici, bah dites-moi si vous avez bien tout compris, si vous avez des questions, éventuellement des conseils, des remarques à faire remonter par rapport à l'apprentissage, la manière dont c'est transmis, si tout est bien clair, s'il y a des petites parties qui sont justement pas toujours très compréhensibles ou quoi. Moi ici, à titre personnel, j'ai émis deux petites remarques que je ferai remonter. C'est plus sur du technique que vraiment la matière en tant que telle. Bon, certains passages étaient plus compliqués que d'autres, parce que ça demande un apprentissage plus approfondi, plus minutieux. Mais ça, voilà, ça c'est pas un reproche du tout. Voilà, les deux trucs que je reproche, c'est pour les petites capsules du module 3, en fait. C'était directement reconduit sur YouTube. Et donc on se tapait des pubs de 30 secondes, ça c'était un peu chiant. Et alors, ouais, une des parties qui était lue au prompteur, bon, on sait que c'est prompté, hein, ça c'est logique, il faut que ce soit clair, etc. Donc c'est très professionnel, c'est très bien. Mais une des capsules, par contre, était un peu saccadée par moment et ça a rendu la compréhension plus difficile, je trouve. Alors... là, j'ai appuyé sur un bouton où je ne devais pas appuyer. Attendez, hop, je reprends. Voilà, ceci. Voilà. Donc, il faudrait reprendre. Donc, ça, c'est Phoenix qui nous dit ça. Il faudrait reprendre le graphique dessin de la ligne du temps, comme on a vu au début des vidéos. Ok. Pour avoir une image, un récap. Ah oui. Ok. Ok, ok. Je verrai bien quand je ferai les vidéos récapitulatives comment je peux présenter ça. Je pense que le module 4 sera repris dans sa globalité, synthétisé et simplifié là où c'est possible. Voilà. Je pense que je prendrai vraiment une vue d'ensemble de chacune des écritures pour pas que ce soit trop compliqué non plus. Pour ceux vraiment qui veulent rentrer dans le détail, il y a justement le MOOC et c'est live-ci. Et pour le 3, pareil. Là, je ferai aussi une vue d'ensemble avec la présentation de la langue, de ses spécificités. Où là, c'est vraiment du concret, hein, c'est du pratico-pratique pour le 3. Le 4, c'est plutôt de la théorie, voilà, très dense. Donc là, je vais essayer de synthétiser quand même pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Enfin, voilà, parce qu'ici, moi, je m'adresse à des gens qui s'intéressent à la culture égyptienne, pas nécessairement à des spécialistes. Et donc mon but, c'est que ce soit une première approche intéressante, une première approche qui permet aux gens de se dire « Ah ben voilà, ça m'intéresse, je vais aller creuser un petit peu plus loin après. » Voilà, moi je ne vise pas les spécialistes nécessairement, et je n'en suis pas moi-même, donc ce serait peut-être un peu présomptueux de vouloir faire ça. Ok. Donc voilà, ben merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour apprendre à lire les hiéroglyphes. Alors je vais juste aller vérifier dans mon agenda ce que j'ai prévu pour les prochaines fois. Comme ça, ben, je vais pouvoir vous dire directement ce qu'on verra au prochain live. Voilà, alors on va dans le quatrième. Voilà, ici on ouvre... voilà, ben le quatrième... Ah oui, ok, d'accord. J'avais prévu de faire le quatrième avec une partie du module 4. Ben voilà. Ici, ce sera plutôt alors le cinquième. Je vérifie aussi pour l'autre, pour ne pas dire de bêtises. Ok, ça va. Donc ici, hop, je reviens face cam. Voilà.
Oui. Donc ici, pour le prochain live, on se retrouve samedi prochain, de 9h à 12h, et on verra le module 5 en entier sur la langue égyptienne et son évolution. Alors, on va déjà un petit peu montrer de quoi ça va parler. De la diachronie interne et registre d'expression. Ça mérite quelques explications en effet. Et l'égyptien sans, dans sa famille linguistique. Ok, très intéressant. Je vois que ce ne sont que deux parties. Donc on va voir le module 6. Peut-être qu'on va aussi le voir ensemble. Oui, à mon avis, ce sera ça. On fera le module 5, la langue égyptienne et son évolution. Et puis les sons dans l'égyptien. Et là, à mon avis, on fera la moitié. Il y a 7 modules. Sachant que, oui c'est ça, 7 modules. À mon avis, on verra les 3-4 premiers. Voilà. Donc c'est ça, je le noterai après. Donc, la semaine prochaine, le samedi prochain, on se retrouve donc de 9h à 12h sur la chaîne pour un live. Dans lequel on verra donc la langue égyptienne et son évolution et les sons de l'égyptien. Merci encore à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Si l'histoire en général vous plaît, à mettre un like si vous avez aimé cette partie du MOOC, à mettre en commentaire eh bien, vos questions, les parties d'apprentissage qui vous ont plu, qui méritent plus de précision, etc. Et je vous dis à la prochaine et merci à tous. Au revoir et bon week-end.